Moi j'ai dit go. Il y a du son. On m'entend? Ok. Salut tout le monde. Enfin pour ceux qui sont déjà là. Allô? Va peut-être attendre. Je vois personne. Si regarde, il y a Loukous qui est là. Pourtant, je vois rien écrit Il... là. Je suis sur le multi-twitch. C'est dans le... Moi j'ai mis les deux chats l'un à côté de l'autre. T'as regardé, il répond même dans les deux, Lucus. Ah. C'est chiant ça. Du coup. J'ai un viewer, c'est Lupus, je pense. Bon bah du coup c'est parti. Est-ce que tu peux taper point d'exclamation commands dans le chat? Ah, il est le test de commande. Là Voilà, là. vas-y, teste le bot pour voir. C'est beau. Faudra que je mette ça la prochaine fois, tiens. Bah franchement, ça se fait en très peu de temps. Par contre, je sais pas comment mettre des liens dans les messages. Donc ça, c'est un peu chiant. Ajoute un espace. Ok. Il Ouais, n'y a pas de... Il n'y a pas de... je sais que le lien est pas De marqueur? cliquable, mais. Bah j'ai essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Donc voilà. Après, suivant sur quel support t'es, ouais, c'est un peu. Si t'es genre lui, je pense qu'il est sur son iPad là. C'est un peu chiant du coup. Et ouais, j'ai changé de terminal, j'ai changé d'émulateur. Comment ça? Bah, je suis passé de iTerm à Alacrity, à un truc écrit en Rust. Twitch sur Ah, l'ordi dans d'accord. FF, donc ça va, il peut. Donc du coup, c'est l'occasion de tester là. J'ai mis website aussi comme commande, j'ai mis repo, j'ai mis plein de trucs. Enfin, tout ce qui est en rapport avec le stream, du coup, comme ça, voilà. Il n'y a pas besoin de. Et t'en as mis un sur le projet aussi? Bah ouais, c'est repo. Ah oui, non, mais je pensais plus à quelque chose qui fait une explication rapide de qu'est-ce que c'est le projet. Bah, c'est le README. Ok. Mais oui, non, non, j'ai juste mis des petites commandes vite fait. Histoire d'avoir un truc quoi. Sais que généralement, ils les mettent dans le titre Du du stream. stream, comme ça, comme ça, les gens savent direct quelles sont les Ouais. commandes disponibles. Bon, moi il y a toujours qu'une personne, je sais pas si toi il y a plus de Bon, personnes. je crois pas, mais du coup on va commencer. Tranquillement, les gens arriveront, et puis si on doit réexpliquer si on doit expliquer qu'est-ce qu'on est en train de faire, c'est pas grave, on le fera. Du coup, sur mon stream, normalement, on voit tout mon écran. Est-ce qu'on peut me confirmer ça? C'est-à-dire que là, est-ce qu'on voit Google? Ok. Ben on va aller sur le projet. Parce que du coup, cette fois, c'est moi qui ai fait du refacto. Allez, d'accord, Lucas. Un loukous. Ok, non, ça c'est une paire en cours. D'ailleurs, je vais faire un truc là. Je vais prendre la priorité sur le routeur parce que je ne l'ai pas fait. Donc, si on regarde, j'ai ajouté Astic. Donc, ça c'est. Je sais pas si on dit les noms. Toi, t'aimes pas qu'on dise les noms, mais. Non, c'est pas bien de dire les noms. Ok, bah bref, il nous avait fait des remarques, mais il avait pas fait ça, il avait fait ça sur les commits directement. Du coup, c'était un peu difficile de retrouver ses commentaires. On a dû repasser par les mails de notif de GitHub pour voir ses commentaires. Et du coup, c'était sur les packages JSON. Voilà, il nous a mis un petit rappel par rapport à la doc. On avait fait des trucs qui n'étaient pas nécessaires. Donc du coup, on a fait une PR et sur la review, il a fait une modif. Donc du coup, je l'ajoute en contributeur. Et sur le stream 2, si on le reprend, en fait, tout simple, c'était. Alors, il y avait la correction du bug qu'on avait avec Firebase. Du coup, c'était Zoomilo qui nous avait permis de, voilà,
de corriger ça. C'était un truc tout bête, mais ça fait que ça ne fonctionnait pas. Donc on a initialisé le projet avec Firestore, les Cloud Functions et Firebase Hosting. Et du coup, on a écrit nos premiers tests avec Firebase Emulator, qui permet juste pour le moment de tester nos rules. Parce que du coup, on protège notre Firestore, vu que pour le moment, on utilise c'est le client directement qui interagit avec le store. Du coup, il faut qu'on mette des rules pour protéger, pour pas que n'importe qui puisse faire n'importe quoi. Donc là, si on reprend, on a notre Firestore.rules avec tout un ensemble de rules. Le truc qui est sympa, c'est qu'on pouvait créer des fonctions et donc donner du sens à nos rules plus bas. Donc là, on voit qu'on a une collection users. L'index du document, c'est le user ID. Et après, pour chacune des règles, donc par exemple sur la lecture, c'est que si c'est le profil de la personne qu'on peut lire. Pour la mise à jour, c'est pareil. Et il y a des petits trucs qu'on a mis en plus pour s'assurer qu'on a bien un en-tête qui dit j'ai modifié le document à cette date-là ou j'ai créé le document à cette date-là. Et donc sur la création, on a bien un if it's me and user not exist. Donc en gros, on crée un profil que si c'est bien son profil qu'on essaie de créer et si le user n'existe pas. Voilà. Et Yes. là pour la suite, ce qu'on veut Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, aujourd'hui? ouais. Ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est ce qu'on voulait faire initialement la dernière fois, mais on n'avait pas eu le temps à cause des rules. Tiens d'ailleurs, maintenant ça ressemble à ça, c'est un peu plus lisible. Donc j'en ai profité pour repasser sur Jest. Donc j'ai viré Mocha. Parce qu'on a déjà Jest avec Create React App. Donc ça reprend ce qu'on avait déjà, quoi. On load les rules au tout début. Avant chaque test, on clear. Et après tous les tests, on termine toutes les apps Firebase qui ont été créées et on imprime le rapport, quoi. Bon, ça c'est un petit plus. Donc vous J'ai fait un pourrez. tweet normalement, Ouais. Lucas. Ok. Bah, du coup, il faudrait que je me mette sur le chat, j'ai pas vu ce qu'il a dit. Il disait qu'on n'avait pas fait de tweet pour dire que ça commence. Ah. Mais si. Ah oui, Bah 20 si. minutes avant. Tu veux que j'en refasse un maintenant? Du coup, Bah ouais, vas-y, vas-y, continue, je fais-le et je t'écoute. le retweeterai. Donc bref, on a tout réécrit pour que ce soit plus lisible. Donc déjà, ça, je trouve que c'est plus clair. Donc vous pouvez aussi faire de la review, faire ce que vous voulez. Enfin, vu que t'es tout seul là. Et pour la suite, du coup, c'est faire la partie roulette et toujours en utilisant le Firebase Emulator. Parce que du coup, ce qu'on va faire, c'est. Là, on s'était arrêté la dernière fois, c'était créer des profils pour pouvoir justement faire tourner notre fonction dessus. Et donc, utiliser Faker pour avoir des profils un peu random. Donc, la première étape, ce sera ça, c'est vraiment voilà, populer une collection avec des utilisateurs avec des valeurs un peu random, mais qui soit déterministe. Tu peux review ma paire sur readme générateur plutôt. Ah, ok. Je sais même pas ce que c'est la paire. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, avoir une première base pour pouvoir faire tourner la fonction dessus et que ce soit déterministe pour pas que entre chaque test, en gros, nos tests ne soient pas déterministes et que ça pète, quoi. Donc avec la fameuse graine, seed. Du coup, le projet, c'est Faker.js. Ouais. C'est ça. La doc. Donc ça, c'est une démo. Est-ce qu'on a une doc en ligne de ça? JS doc API Browser. Ok, peu importe. Donc, qu'est-ce que tu peux nous en parler, toi, Ivo, qui l'as déjà utilisé Ouais. Je finirai le tweet après. Ah, il met Ok. la pression, le Loukous. Alors, Faker.js. Donc, j'ai déjà utilisé Faker.js plusieurs fois. C'est plutôt cool, hein. C'est assez simple, hein. En fait, il y a tout un tas de méthodes, hein, qui sont disponibles. On les voit dans l'API. Donc, il suffit d'importer Faker et derrière
de faire un point vers un domaine en particulier, par exemple adresse ou commerce, et ensuite on a des méthodes qui permettent de générer de la donnée. Donc comme Charlie le disait juste avant, faut faire un seed pour faire en sorte que la donnée ne soit pas aléatoire en fait, et qu'à chaque fois qu'on réappelle, on ait exactement les mêmes données. Ce qui est un petit peu primordial si on veut arriver à faire des tests avec. Et donc là, bah, par exemple, ce qu'on va pouvoir faire, c'est que je pense qu'il doit y avoir quelque chose comme. Alors voilà, là on a name. Donc on pourra avoir du first name, last name. Et ce sera déjà pas mal. Et du coup, ce qu'on va faire aussi, c'est leur générer des préférences. Mais alors pour générer des préférences, il va falloir qu'on fasse une méthode un petit peu custom. Parce qu'en fait, il y a un random.arrayElement, mais le problème, c'est que ça retourne qu'un seul élément à chaque fois, et nous, on voudra un tableau de préférence, quoi. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et du coup, est-ce qu'on peut pas faire un premier random qui nous retourne un nombre qui va dire le nombre de Yes. préférences, et après Yes. on itère là-dessus et on fait un random. Bon, par contre, ça risque de merder parce qu'on risque d'avoir deux fois la même Ouais, c'est préférence ça, faut CT, éviter les doublons. mais bon, c'est pas très grave. Enfin bref, on verra, c'est les tests qui nous diront si on. Si ça marche ou si ça marche pas de toute façon. Ouais. Et donc là sur mon écran j'ai mis le setting randomness seed, donc le truc dont tu parlais. Je sais pas si tu l'as montré à ton écran. Ouais, je l'ai Ok. montré. Et après il y a une partie test, mais c'est les tests de Faker et il n'y a Ouais, non, ça pas. c'est. Ok. Ouais, on fait une session de 2 heures, Lucus. Je pense qu'on va faire ça à chaque fois, des sessions de 2 heures. Sauf si vous trouvez que c'est trop long. Ou que c'est trop court. Ouais, après, plus ça devient fatigant, non, au bout d'un moment. Bah ça, dé bah ça Pour dépend. Moi, nous. il y a une personne que je regarde là, Johnou, et lui, c'est des séances de 4 heures, 4, 5 heures, 3 heures. Ah ouais. Mais Faut pouvoir le faire, hein. Bon, bah moi, si je pourrais bien, je pense pas. après il enregistre tout, donc que tu peux revoir sur YouTube plus tard. Donc voilà. Mais il y a des fois, c'est difficile en fait d'avoir un résultat qui fonctionne au bout de 2 heures en fait. C'est pour éviter d'avoir l'effet, en gros, bah, on a fait des trucs, mais en fait, on s'arrête alors que ça marche même pas, quoi. Comme la dernière fois. Ouais, là, pour éviter d'avoir de la frustration. Après, il faut pouvoir tenir 5 heures ou 3 heures, mais bon. Yes. Bon, bah, c'est parti du coup. Ouais, ah si, petit rappel. Donc il y a Ouais. Faker, donc ça c'est pour générer nos données, mais je suis pas sûr qu'on l'utilise aujourd'hui. Du coup pour la partie node, parce que tout ça tournera dans une cloud function, c'est Firebase Admin pour la partie node, pour interroger le Firestore en fait. C'est ce qu'on disait la dernière fois quand on va initialiser notre app. Notre client Firebase, là, faudra faire Ouais. un Firebase init admin app, je crois. Si On l'avait on. déjà fait ça la dernière fois. Ah oui, Non. on n'avait pas committé en fait. Ouais, Parce que tu sais, on. j'avais commencé à l'écrire à la fin. Ah. Peut-être. Bon, bah, c'est pas grave, on va le refaire. D'ailleurs, si je me mets sur la doc. Firebase émulateur. Tac. Ouais. Donc C'était dans le là, code, hein, que j'avais vu que j'avais vu ça. donc c'était dans quoi, le JavaScript Quick Start peut-être? Ah Ouais, non, ça bah là c'est où. le. Non, c'est pas celui-là. Ça c'est le premier truc que j'ai pris pour les rules. Normalement, il y a un truc. Non, c'est dans Firebase Testing que j'avais trouvé ça. Firebase testing admin. Ah, là j'ai un truc là. Tac tac tac. Initialize SDK. Tu l'as Initialize app. retrouvé, toi? Je suis sur le app. Je cherche le admin app. Il est à la racine de ce qui est exposé par Firebase Testing. Je suis dans la doc en fait. Je l'avais vu Ah, dans la il n'y a doc. pas dans la doc. J'ai pas trouvé dans la doc en fait. Ah bon? Oui, c'est pour ça qu'on avait passé 15 minutes à chercher la dernière fois.
Et j'avais fini par trouver cette info, mais dans le code. Ok. Dans le code de testing, ça doit être ici. Ouais, c'est ça. Tiens, je te l'envoie. Attends, mais sinon j'ai un truc là, testing. Si, je l'ai moi. Dans la doc? Ouais, alors attends. Ouais, je l'ai là. C'est dans Database Security Test Rules Emulator. Et du coup, quand on est en. Parce que l'admin, lui, il bypasse tous les droits, tous les trucs de sécurité. Du coup, il y a juste, il y a simplement besoin de donner le nom de la base. Il n'y a pas besoin de mettre le host UID, machin. Ah oui, il est là. Initialize admin app. Ouais. Ok. Ok. Du coup, bah c'est parti. Ouais. Qui s'y colle? Ah, moi, je suis désolé, il n'y a plus qu'à, il n'y a pas de commande chez moi. C'est chez Charlie. J'ai pas eu le temps de le faire. Bah, si tu veux, je peux le faire. Tu me dis. Est-ce que c'est assez gros? D'ailleurs, je vais être obligé d'aller sur ton stream parce que sur le mien, il n'y a qu'une personne et ils disent rien. Manque de lâche, quoi. Ah si. Ah si, je le vois. Pourquoi il apparaît pas dans les stats? Bot multi, mais qu'est-ce qu'il fait? Je te dis, il fallait lister les commandes. Ben, mais je sais pas comment je le fais ça. C'est point d'exclamation commands. Il a menti le brigand. Non, j'ai pas menti, je te jure. Comment j'appelle ce fichier de test-là? Je l'appelle roulette.spec.js? Alors, on peut peut-être se mettre dans le répertoire function. Voilà. Mets-toi dans l'index, oui. Ou non, crée un autre fichier à côté, tiens. Tu appelles roulette si tu veux, ouais. Ouais, Spec.js. .spec.js. Ok. Alors, describe. Salut. On l'appelle roulette. Est-ce que le son, est-ce qu'il clique, il fait des trucs ou est-ce que le son est net? Alors, je l'importe de quoi? Bah de roulette. Du Non, coup, non, ah, tu parles de je quoi? veux dire, je veux initialiser. Alors attends, c'est genre arrobase firebase Ok. slash testing. Ok. Ouais, donc du coup, c'est initialize Mais admin app. c'est peut-être un import par défaut plutôt, non? C'est pas Je sais Firebase? pas. Je regarde. Oui, c'est depuis Firebase, tout à fait. Donc c'est un import par défaut. Ensuite, il faut que... Après, on est en node. On n'a pas mis de ESM là. Fait Ah plutôt ouais, avec. bah attends, je change mes imports. On pourra le faire, mais j'ai vu qu'on n'a pas mis ESM pour le moment, autant. Require. Ok. Ok, donc là je fais un quoi? Un before each, on va dire. Et j'initialise. Attends, regardez ce qu'on avait avant. Avant, on avait Ah, tu veux quoi? regarder les anciens tests? Merde, pourquoi je suis en A? Ah, mais je suis pas dans C'est le. Ah, ok. le... Oui. Merde. Ça, c'est la latence. Quelle latence? Je sais pas, c'est pas de la latence d'imprimante, mais Wow, peut-être qu'est-ce qu'on qui a se réveillé passe la même là? connerie. Non, non. T'as tout remis à l'envers. Rules. Ok.
Donc avant, ce qu'on avait. Non, on avait deux côte à côte, ce sera plus simple. Avant, ce qu'on avait, c'est sur le Before All, on allait chercher le Firestore.rules. Ouais, mais On là, on s'en lit fout. et on load Firestore rules. Et l'autre, tac, tac, tac. Mais je vois pas à Et quel en moment fait, on c'était, initialise. bah, c'est cette fonction-là, là, regarde. Ah, d'accord. Voilà. Vas-y, fais voir. Ok. Et qui retourne Alors, Firestore. Alors après, on on peut s'en faire juste un fout. test déjà, sans faire de before machin. Et on refacto après. Tu veux que je fasse un test qui initialise juste une app, vérifier ça? C'est quoi cette API-là, Should? C'est la fatigue. Moi, je ferai un premier test qui devrait. C'était Créer un une. Ouais, utilisateur? c'est ça. Ok. Ok. Parce que là, on est en mode admin, donc c'est différent. En fait, on devrait créer une liste d'utilisateurs, mais on va commencer par en créer un déjà pour voir. Donc Alors là, ce après, qu'on peut se tu peux dire, prendre Create Profile, tiens. Directement. la fonction create Ouais, profile, tiens, je prends. on remettra en commun plus tard. Ok. Donc là, Sauf celle-ci, elle dit, on crée un utilisateur dans la collection, un document dans la collection user et on set le UID et created at. Bon, sachant que nous, alors peut-être qu'on pourrait l'appeler create random profile et du coup on cacherait Faker là-dedans. Qu'est-ce que t'en penses? On n'a pas besoin de rajouter random, hein, si. On peut l'appeler Wow, random, ok. c'est. On cachera là-dedans, t'as raison. Ok. Donc c'est initialize admin app et ça prend database, je crois. Si je regarde. Et notre database, on l'a appelée père roulette tout attaché ou... Pair-roulette. Mais on s'en fout en fait, ça change rien vu qu'on a Ça a peu d'importance, ok. l'émulateur qui tourne. Si tu veux, si tu vas sur le code d'à côté, que tu vas tout en haut, on a un Project ID. Mais je crois que c'est database. Attends, Oui, moi je l'ai vu dans la doc, c'était database. database name. Database name. Ouais, avec un grand N. Si, pour ceux qui arrivent, hein, faut pas hésiter à demander si vous voulez avoir une petite explication de ce qu'on est en train de faire, histoire que ce soit plus simple de comprendre. Et il y a un bot sur mon chat. Donc si vous faites point d'exclamation commands, bah vous aurez une liste de commandes avec l'URL du repo normalement et d'autres trucs si vous êtes des curieux. Genre quel éditeur on utilise, quel terminal on utilise, quel je sais pas quoi. Et donc là, si on fait un create random profile, où on donne app et on crée, on va créer Alice. Ouais, sachant que le. Non, je propose qu'on ne mette pas le deuxième paramètre. Ce sera vraiment random en fait. Tu Ouais, as mais le là pour nom là. l'instant, c'est juste histoire de vérifier. Oui, Je je crois que sais, Chris, mais il est pas d'accord avec Alice. t'aurais pu mettre Alice à l'intérieur. Qui est pas d'accord avec Alice? Donne des noms funky. Mais de toute façon, on va générer aléatoirement après. Hein. Oui, après ce sera des Marc, vrais mec, c'est noms. beau. Et ce qui est marrant, c'est qu'avec Faker, alors on n'en a pas parlé, il y a une histoire de local. Et ça, c'est Ouais, cool. en fonction du. Ouais, tu peux mettre ta Donc je local crois pour avoir des qu'il est assez parcours. intelligent sur les noms pour donner des noms un peu français ou des noms un peu british ou des trucs comme ça, ou je me Oui, trompe. j'ai déjà testé, ça marche plutôt bien. Donc on va se retrouver avec genre des Laurent Martin, des je sais pas quoi, Jean-Pierre Des Lacoste, Brigitte Dupont. voilà, des Brigitte Bardot aussi. Commence par Loukous, si tu veux. On va commencer par Loukous. Putain, le mec veut sa dédicace dans le stream quoi. Putain, c'est la Bah, gloire là. c'est lui qui a demandé, hein. Est-ce que l'éclairage il est bien chez moi? Est-ce qu'on voit bien? Est-ce que la qualité de l'image elle est propre? J'aimerais bien savoir si le code est net ou pas.
Je pose des questions parce que j'ai pas eu l'occasion de les poster sur les poser sur les autres streams. Nickel. Bon bah très bien. Est-ce que tu ne lancerais pas les tests en mode watch là, histoire qu'on regarde déjà ce que ça donne là? Ouais. Parce que ça, normalement, ce test-là, il est censé passer. Ah, mais ça, c'est normal, moi j'ai une moins bonne connexion. Et encore, je suis passé en Ethernet maintenant. Il dit que c'est légèrement mieux. Ah oui, que chez IO. Ouais. Tu parles de l'image de ma cam ou est-ce que tu parles de l'image du code? Moi, c'est les deux qui m'intéressent. Wow, qu'est-ce qui s'est passé là? Mais qui c'est qui a modéré Lucas? Ah, c'est Nightbot, il a time out. Oh, Stop mon posting leak. Nightbot. Oh Il va mon falloir gars! que tu fasses un petit peu de config de ton bot. Attends. Le mec, il a été puni quoi. Alors J'ai posté un lien, c'est parti. je crois que c'est Coucou mode direct. et après je crois que là si t'es mode tu peux faire ouais, c'est trop bien ça, t'as vu? Putain, Ah ouais, ben mon gars. bah il s'est surtout il s'est fait supprimer tous ses messages. Ok. Donc j'ai fait un test watch. Ah oui. Bon, alors ça c'est un peu chiant. Ça c'est parce que avec Create React App ça fonctionne tant que tu es dans SRC. Et vu qu'on s'est mis dans Function. Ah, Voilà. mais Function, on est obligé parce que c'est Firebase qui fonctionne comme ça quand tu veux publier en fait. Donc si. Ouais, je sais. Bah, en fait, on peut tricher. Moi je l'ai fait, tu Oui, tu peux peux faire dire. un NPX geste en fait. Ouais. Ouais, mais à Firebase, tu peux lui dire les fonctions, elles se trouvent dans tel dossier, en fait. Je l'avais fait sur Mais InTree. Mais. est-ce que du coup il prend bien la bonne conf ou pas? Bah, je sais pas, mais il n'y a pas de conf en particulier. Là, c'est du code node, ça devrait rouler tout seul. Ok. Du coup, c'est dans fonction, c'est ça? Ouais. Bon, vu que ça est du NPX, du coup, il va quand même chercher des trucs, vu Ouais, que Create React App, ça utilise React Script. Ah, c'est que du coup, vu que ça n'utilise pas directement geste, t'as pas geste dans tes node modules, c'est ça? Bah, je sais pas. Après, Parce que normalement, il est c'est. censé utiliser ce que t'as dans les node modules, hein, Ouais, NPX. mais là, tu vois, je sais pas ce qu'il fait. Il fait des trucs. D'ailleurs, NPX, on m'a fait remarquer que depuis la 5, quelque chose de NPM, c'est dans NPM. Ben Je oui. savais pas du tout. Ben, moi, je pensais que c'était un truc à part. Ah, c'est comme ça Ok. que je l'ai découvert, moi. Bah, tu vois, ça fait. Ah, mais tu vois, il a dit qu'il a pas trouvé quelque chose. Ouais, et puis en plus, il a fait tourner qu'une suite de tests, alors comme ça. Bon, pour des raisons de simplicité, on va. On va mettre notre test à l'intérieur de SRC, c'est ça? Tout à fait. Alors, attends. Ouais. Du coup, je vais juste fermer ça parce qu'on va le déplacer, ça va être chiant sinon. Du coup, on va le move depuis. On était dans fonction, c'est ça? Ouais, On et il s'appelle n'en avait roulette. qu'un. Ouais. On va le mettre dans SRC, mais juste par simplicité, et on verra plus tard pour faire mieux parce que là, on va pas perdre du temps sur des bêtises pareilles, quoi. Roulette spec. Mais t'as vu, il y a des trucs qui. Attends, j'ai bien fait hier un test? Bah oui, j'ai fait un test watch. Qu'est-ce qui lui va pas là? C'est mon import qui lui plaît pas. Non, mais je pense que il y a un coup de yarn pour voir. Ah ouais, en effet, il a besoin d'installer quelques petits trucs. Je vois qu'il y a pas mal de monde qui a rejoint là. Ah oui, il y a 6 personnes. Du coup, juste Coucou. pour info, pendant qu'on essaye de régler tout ça, ce qu'on est en train de faire là, c'est qu'on s'attaque à la partie vraiment métier de notre application, à savoir quand une personne se connecte,
Si elle demande à être, ça semble un peu plus logique déjà ça. Si elle demande à être mis en relation avec quelqu'un pour un match, pour pouvoir faire du pair programming, on va aller nous chercher dans la base d'utilisateurs qui sont déjà inscrits, et en fonction de certaines règles métiers, on va essayer de ressortir une personne qui correspond plus ou moins. Par rapport à des préférences, par exemple, type les langages choisis, etc. Et donc là, ce qu'on utilise, Firebase Emulator qui est sorti récemment. Je crois que c'est ça, non? Ils l'ont Ils l'ont présenté il y a quelque chose comme deux présenté il y a 2 semaines au Firebase Summit à Madrid. semaines. Mais sinon, il était déjà sorti en fait. C'est juste qu'ils ont fait une annonce officielle. Ouais. Parce que Yes. moi, Et il t'arrive j'avais à déjà voir. vu ce truc-là. Yes. Et du coup, on utilise l'émulateur. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord se créer une base. On va se créer d'abord une base d'utilisateurs random. Et ensuite, on va mettre. Et ensuite, on va mettre les règles métiers dans une petite Cloud Function qu'on va tester. Osamushi, Bleu. c'est... Ok. Enfin, oui, je sais, je suis curieux. Moi, j'ai besoin de savoir qui c'est. Voilà. Bah, du coup, c'est bon, tu vois, là, on a... Alors, attends. Alors même moi dans C'est l'éditeur. CTRL B et O. Mais c'est bon, je te l'ai fait. Du Contrôle B. coup, là... Ouais, voilà. Repasse là-dessus. Mais Du pourtant coup... j'ai donné Apple. Hein. Ah mais attends, il n'y a pas Non, des parce que away à c'était... faire. Non, parce que c'est app.firestore en fait. En fait, la fonction, elle faisait un initialize admin app et elle retournait Firestore. Donc soit tu le fais là, soit tu le fais... On va le faire là pour le moment. Et on a oublié quelques async await là. Wait sur le create et... Quoique non, même pas. Je crois que ici ça suffit en fait. Ouais. Tadam. Project Project ID ID not not provided. provided. Ouais, il est marrant lui. Bah, remplace le database name par Project ID, on verra bien. Je pense que c'est. Je sais pas, pourtant dans la doc, il mettait. Ouais, je sais bien, mais là on est en Firebase testing. Random profile is not defined. Bah oui, c'est normal. Tu l'as appelé Parce profile. que, ouais, tout à fait. Donc, random profile. Ah, très bien. Ok. Ah, yes. Eh, c'est beau, C'est bon, on a créé Lucus dans notre base. hein? Vous avez vu mon nouveau setup? Je le trouve trop cool. On n'a plus la vieille barre verte en dessous, la Tmux, là, j'ai enlevé ça, c'est plus propre. Ok. Bah du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va importer Faker. Donc on importe Faker. On l'a installé ou pas? Non, on l'a pas installé, hein. Non, on l'a pas installé. Donc, Et du coup, je vérifie hein, si c'est Faker ou Faker.js c'est qu'il faut fait. installer. Ah oui. Salut Osamushi. J'ai pas compris le truc là. Perso, je vois surtout EU. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vois surtout EU. Où c'est que tu vois Dark Jabberwock? C'est C'est bien bien, Faker. c'est que c'est juste tes ballons Ah, t'as derrière. des Ah ballons. oui! Il y a marqué Love You. Il est sentimental, Charlie. Donc, ce qu'on va faire, c'est que avant chaque test, du coup, on va générer. Ça va faire lent hein, si on fait avant chaque test de générer plein d'utilisateurs. Après, on n'est pas obligé d'en générer un millier, peut-être en générer un peu moins. Oh, et puis t'étais pas obligé de faire un before each, hein, tu pouvais le faire directement. Comment ça? T'étais pas obligé de faire ça tout de suite dans un before each, tu peux le faire une première fois dans Create Random Profile. On en fait un random et puis on itère.
Enfin, comme tu veux, hein, Ok. t'es pas obligé. Donc là, on enlève ça et on va créer une personne random. Ouais, c'est ça. Donc là, l'idée, une personne random, ça Il nous se. faut un UID. Ouais, c'est ça. Un UID qui sera un Parfait. UID. Alors, Je crois que c'est il y a. .random.uid, je crois. Non? Je vérifie, mais je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, Je l'ai. .random.uid. J'ai essayé de regarder de mon côté. Ouais, c'est ça. Salut Zumilo. .random.uid. Zoomilo! A priori, ton mug fait marrer. Ouais, il y a marqué beau gosse dessus. Énorme. Bah en fait, j'avais acheté un mug qu'on s'appelle Starbucks à Xenia avec le beau logo et tout, mais elle l'a cassé tout à l'heure. Donc du coup, bah, Ah merde. du coup, faut que j'en rachète un. Mais il était gros, c'est pour ça que c'est bien. C'est quoi nos données? C'est name, non? Pour le nom de la personne? François, pour l'instant, on Bah s'en en fait, fout. on l'a pas défini, mais ce serait plus. On a dis si on garde la même chose que GitHub, c'est display name. Display name, ok. Donc là, par exemple, display name, si on fait. On peut faire, genre, par exemple, faker.name. Et dedans, on doit avoir quoi? On doit avoir. On met quoi? First name ou last name en premier? First name, last name. Ne te prive pas un dark jabberwock, sauf si c'est interdit par le code de conduite du stream. Il a dit qu'il avait envie de dire quelque chose. Ouais, mais on en a un code de conduite sur le stream, il y en a un sur le Ah, repo. moi j'ai mis le lien en bas dans ma description là où toi t'as rien mis du tout. Pourquoi il a mis un Pikachu, lui? D'ailleurs, ça sort d'où ça? C'est directement dans les trucs de Twitch, ces trucs-là? Ouais, tu peux choper des emojis. Ah, pas le droit. Ah, parce que je suis bête. T'as oublié une virgule à la fin aussi. Yes. Ok. Très bien. Ok. Qu'est-ce qu'on veut tester en vrai? Bah, en fait, ce qu'on veut tester, c'est. Donc là, on a réussi à en créer un, mais le... ce qui est intéressant, c'est de pouvoir les lire, en fait. En fait, de pouvoir parcourir tous les utilisateurs, parce qu'en réalité. Ouais. Ah, tu sais ce qu'on a oublié de faire? De On a oublié quoi? de charger les rules. Mais on s'en moque, on est côté admin. Je sais, mais les tests sont là justement pour s'assurer que même quand tu as les rules, tu vois, tu arrives à fonctionner. Le fait qu'on soit admin, c'est un détail d'implème. Je En comprends pas ce soi. que tu veux dire. On est admin donc on bypass, mais c'est Ouais. intéressant de faire tourner le code dans les mêmes conditions que ce sera. Et donc il y aura des rules en fait. Mais on va pas les charger côté dans la fonction, si? Mais en Ben fait non. là tu les charges pas dans la fonction, là tu les charges côté émulateur en fait. Tu vois ce que je veux dire? En gros là tu es en train de créer plein de trucs, mais t'as pas Ouais. les rules qui mettent des protections en fait. Même si tu es en admin, tu les bypasses. Mais le truc, c'est que si là, tu changes ton initialize app, admin app en initialize app, en gros, tu vas pouvoir créer des users pour tout le monde, alors que tu ne devrais pas. C'est juste pour être dans les mêmes conditions que. Voilà. Mmh. Oh putain, qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas, mais là, tu t'es. Je crois que tu t'es paumé là. Entrée, 2.q. Voilà. C'est bon. Ok, bon, j'ai mis le chargement des règles. Ouais, donc faut faire un Ah require oui, sur attends. pass. Donc on charge le pass. Il n'y a pas que ça, il y a aussi FS. Ah merde. Et il y a. Si tu veux, tu peux prendre l'autre fichier de test et prendre les lignes d'en tête. Trop tard. Il manque quoi d'autre? Ah. Ok. Bah le utility Vas-y, t'as. Non mais t'as raison. C'est parce qu'il faisait un promissify. ouais et d'ailleurs faudrait que je regarde quelle API mais j'avais oublié ce truc là vu que c'est sorti il y a
pas si longtemps, je pense, et que je ne l'ai jamais utilisé jusqu'à maintenant. En fait, FS, il expose un truc qui s'appelle Promessis, et en gros, c'est la même API, mais avec tout qui est promessifié. Et je ne sais plus à partir de quelle version c'est. Donc, on pourrait plutôt faire ça plutôt que d'utiliser, de faire un Promessify sur les fonctions. D'ailleurs, si je regarde, FS Promises. Ouais, c'est ça, c'est à partir de la 10. Donc, ouais, on pourrait le faire. Ce serait pas mal, ça. Ok. Donc, ce que je voudrais faire, c'est que là, on devrait Expérimental. pouvoir lire l'utilisateur qu'on vient de créer, en fait. Sauf qu'il nous faut son ID, son UID, vu qu'on l'a généré, on est comme des cons, non? Bah, en gros, le test ce serait pas de lire un utilisateur, mais de récupérer la liste des utilisateurs. Ok. Donc tu peux mettre read users, ouais, voilà. Du coup, ce serait Bah, du collection get. Ah oui, ça donne un itérateur. Et comment j'avais fait? je vais faire une C'est dans fonction quel pour projet get que là. j'avais utilisé ça? Node.js. C'est dans le Node.js Organizer que j'ai fait ça. Du coup, c'est dans quoi? Donc là, on peut faire app.firestore. N'hésitez pas si vous avez des questions sur ce qu'on fait. Hein. Ou des remarques. Yes, Ou vous pouvez jouer on avec est le ouvert. bot, mais faites gaffe à pas spammer de lien parce qu'il va vous taper. Faudrait que tu précises ça dans les règles. Donc là, je dois pouvoir faire un get en fait directement là-dessus. Pour dire, je récupère la liste des utilisateurs. Ouais, mais il y a un truc à faire parce que sinon il te donne un objet avec un itérateur là. Perso, je ne fais que vous écouter. Ok. Ok. Je sais plus. C'est sur quoi je l'ai utilisé? C'est sur Places? Non. Question. Non, c'est pas sur les questions. Ah, je En sais tout cas, plus. le test y passe, hein. Oui, bah oui, le get fonctionne, mais si tu veux l'utiliser. Putain, va, je sais plus. Ça m'énerve. On peut regarder dans Conference Hall. Ah, je sais. Mais j'ai là sur le Node.js Organizer, je l'ai fait, mais je sais plus dans quel bout de code en fait. Ça me stresse. Dans quoi j'ai fait ça? C'est pas sur les events? Non. Tu fais un zen doc.data. Et là, tu as des données. J'imagine que. Ah, mais là, il n'y a qu'un seul doc. Ouh, Si je on veut commence à m'énerver. plusieurs docs. Ah, c'est dans DataPaz. Qu'est-ce que je suis bête. Eh non. Get contacts. En fait, tu fais un get, ça te donne un snapshot. Et en Ouais. fait, c'est un snapshot.docs en fait. J'ai rien compris. Snapshot.docs. Et ça te donne une collection. Par contre, si tu veux. Si tu Snapshot veux. en docs. En fait, quand tu fais get, ça te donne un snapshot. Et sur Ouais. snapshot, tu as une propriété docs Ah, qui donc te là donne. j'écris docs. Ouais. Et si tu OK. veux le contenu de tes documents, il faut faire un map en fait, et c'est doc.data. OK. C'est une fonction que tu appelles. Là, Et il dit que l'ID, c'est docs, c'est pas une doc.id. fonction. C'est doc.id l'ID. Mais là, docs, il dit que ça n'existe pas. Ah. Après le get. Hein. Moi, je pense que direct après le get, Ah non, en faut fait, faire un tu fais zen. un. Ouais, tu fais un zen. Oui. C'est une Ok. promesse qui contient un snapshot en fait. Ok. Donc là, tu as docs. Non. C'est snapshot.
Et là, sur Snapshot, tu peux faire point docs. Et là, tu auras ta liste. OK. Non, 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 c'est pas une fonction, c'est une propriété. OK. Par contre, faut Donc que là, tu je... appelles data sur chaque document pour avoir les informations du document, en fait. Donc là, point zen, T'as faut tes que je fasse docs, genre, tu fais un là j'ai map. mes docs, je fais un docs.map, Tu reçois un là doc. je fais un doc et je retourne doc.data. Ouais, par contre, tu n'auras pas l'ID, sauf si on l'a mis. Oh, peut-être que tu l'auras. Bon, on verra, tiens, on va tester. Et là, faut que je fasse un promise.all, non? Non. Pourquoi non? Bah, t'as pas besoin, c'est pas une. C'est redonne directement la valeur. Ok. Par contre, le truc, c'est qu'on les voit pas. Ce serait bien de faire peut-être un console log sur users pour qu'on voit ce qu'il y a dedans. Mais là, j'ai pas mis de await. Bah, tu fais un console log await the users. Sinon. Oui, d'accord. Tu ne l'auras pas. Ah, genre, pourquoi? Ah, le l'ID. Ça Si on dépend n'a pas comment l'ID, c'est comment emmerdant. on l'écrit en Ah, bah, fait. si on Si, l'a. si, on On l'a. l'a, l'ID. Parce qu'en fait, si tu le répètes pas dans le document, l'ID, tu l'auras pas dans tes data en fait. Ben si, parce qu'en fait, on l'a mis dans data. C'est pour ça qu'on l'a dans data. Très bien, mais je pense que par contre ce serait bien qu'on fasse un clear à chaque fois comme tu disais. Ouais. Bah vas-y, reprends le. Voilà. C'est bon, il a pris le pli. Before each. Non, on n'utilise pas les ID automatiques. Bah, pas pour le Ah, moment en je tout suis cas. con. Ok, c'est-à-dire que là maintenant, Lucus, il va disparaître normalement. Pourquoi mon... Ah bah j'ai un tableau vide du coup, tiens. Bah c'est normal. T'as fait un Ah oui, before parce que each. j'ai créé aucun user. Oui. Donc là, on Yes. peut faire. Bon, je fais un create random profile. Hein. Oui, tu peux, oui. Bah d'ailleurs, tu peux supprimer le premier test et garder que le deuxième avec le create dedans. Ouais, ok. Ok. On laisse-le avec le given, avec le J'ai rien compris à ce que tu as dit. up. Fais juste trois blocs dans le test. C'est given. Ah oui. Even when zen. Donc Ok, là, on a donc là bien. on a Oh! Loni. Mais On attends, a ça a Loni. chicané le created at là. Parce que c'est pas Firebase, non? Ah si, c'est Firebase. Bah pourquoi on n'a pas de created at? Je sais pas. Bon, Il y a un avantage à utiliser les ID automatiques ou pas? bah oui, comme ça t'as pas à les gérer. Ça dépend ce que tu Ouais, vas mais faire à... c'est... Ça dépend ce que tu vas faire après, en fait. Il D'accord. y a des cas où c'est. J'ai plus le cas en tête, mais sur le Node.js Organizer, j'avais profité des IDs et finalement j'étais revenu en arrière parce que pour ce que je voulais faire. C'était autant garder la main en fait. Parce qu'on avait déjà la main sur une partie, donc du coup. Ok. Salut Electrix. Du coup, qu'est-ce qu'on code? En fait, tu dois avoir juste en bas de mon stream normalement une URL d'un repo. Et en fait, on se lance sur le développement d'une appli de mise en relation de développeurs qui souhaitent faire de l'open source pour pouvoir trouver une personne avec qui pair programmer.
Et du coup, l'algo qu'on est en train de faire là, c'est celui qui va permettre, en fonction des préférences des utilisateurs, de mettre en relation deux personnes. Donc, c'est-à-dire que tu es connecté à l'appli et on a toute une base d'utilisateurs que là, on est en train de générer des faux utilisateurs. Et du coup, on va ressortir une personne avec qui l'utilisateur connecté va être mis en relation. Voilà, pour le moment. Du coup, pourquoi ça marche pas le CreatyDate C'est pas trop grave, je pense que pour le moment on peut passer là? Ouais, et on on va regardera passer. après. Après, j'ai peur que ce soit l'arbre qui cache la forêt, mais bon, ça nous empêche pas de bosser pour le moment, quoi. Bon, ce Peut-être qu'il un faut qu'on truc fasse, qu'on peut. Ouais, vas-y. bah des préférences, non? Ouais. Ouais. Est-ce qu'on ferait pas une fonction pour ça? Faire une fonction. On peut faire generate preferences. Hop. Maintenant, j'ai même pas besoin de app en fait. On Non. s'en fout. On s'en fout complètement. Et juste pour info électrique, vu que t'étais pas là avant, là ce qu'on est en train d'utiliser, c'est donc on utilise du Firebase et on utilise un Firebase Emulator qui est sorti il y a pas si longtemps que ça pour pouvoir tester en local en fait, sans avoir besoin de déployer notre application. Tu dis Morphiche qu'on peut faire new date dedans? On peut Ah, faire un from date. from date en fait. Ouais, mais ça marchait de l'autre côté en fait, sur les autres tests. Après, on s'en moque un peu en fait de cette partie-là parce que nous, ça va pas nous impacter pour ce test-là. Mais Ouais, pour ces tests-là, c'est vrai, on s'en fout. après, Merde. mais une bonne remarque, surtout le from date parce que du coup, on fera. Ce qui est sûr, c'est qu'on fera pas de new date. Parce que du coup, à chaque fois que tu vas lancer tes tests, ce truc-là, ça va changer. Donc du coup, on passera plus sur une date prédéfinie. Ok. Firestore timestamp, pas Firestore field value. Ah. Bah pour le from date, hein, pas pour l'autre qu'on utilise avant. Mais je l'ai retiré. Dans quoi est-ce qu'on avait stocké De quoi? nos langages là? Bah dans language point JSON. Donc là. Languages, t'as oublié un U. D'ailleurs, on a fait une faute, non, dans le fichier. Tu as le fichier, il y a une Non, faute. c'est que je l'écris en français en fait. Ah, ok. C'est oui. Parce que vu qu'on fait un stream en français, j'avais commencé à tout faire en français, mais je sais que. Bah, c'est quand même mieux de le mettre en anglais Ben pour plus oui. tard, parce que pour l'instant, Ben oui. s'adresse à un public français, mais. Ben oui, je sais. Ok, donc là on a importé et là ce qu'on veut c'est en récupérer un nombre. What? Invalid data. Unsupported field value undefined. Ah ouais, c'est parce que je retourne rien. Ouais, mais on s'en fout. Mais tableau vide. Ouais, ok. Ah, un tableau vide. Ok. Donc là, nous, ce qu'on veut faire, c'est que on a nos langages et on veut en pique un certain nombre. C'est ça, hein? En fait, l'idée c'était déjà ce qu'on peut faire, c'est même s'ils ont tous la même liste, c'est pas très grave. Hein. Déjà, on peut créer une. Attends, on a déjà la liste, et oui, toi, ce que tu disais, c'est bah, faut qu'on récupère un nombre random entre 1 et la taille de la liste. Déjà, on peut faire ça. Alors, est-ce qu'on faut qu'on s'embête à faire un random ou est-ce que lui il fait un random avec des bornes? Oui, il fait un random avec des Je bornes. pense qu'il fait un random avec des bornes. Tu fais un random number
Où est la doc? Ouais, c'est ce que je cherche, je me remets dessus. Où est la doc? Où est la doc? Random number. Mais attends, c'est fou ça. Et ce qui est chiant, c'est qu'ils mettent pas le. Mais elle est quelque part. Hein. C'est bizarre leur Ah, doc. c'est dans namespace. Random. Et je l'ai trouvé. Ouais, mais il n'y a pas la signature Number, des fonctions, ils sont options. gentils. Eux. Ah, tu l'as toi? Ça me dit options. Return a single number based on a maxed on max number or range. Ah, c'est sur le max integer en fait. Alors attends. Tu peux pas donner de borne là sur. Ah, faut faire un range plutôt. Attends, faker, random number, range. N'y a pas de range. Ah, en fait, c'est. Si. Alors, si tu mets number, tu lui donnes un nombre, ça te fait entre 0 et ce nombre. Sinon, tu donnes un objet avec min et max. Ah, mais où est-ce que tu as trouvé cette doc là? Bah dans le wiki en fait. Ils se servent Ah. de GitHub, du wiki de GitHub comme la doc. Donc random Un point objet. number. Ouais, min et max. Donc toi t'as fait 1 et 4. Ouais. Oui, t'as raison. 1 et 4, c'est bien déjà. Et maintenant, ce qu'on veut faire, comment on en prend 4 de manière aléatoire Bah dans faut la faire. liste? Une itération de 1 à number of preferences. Et du coup, voilà. Ouais, mais du coup, ça fera que les premiers en fait. Non. En gros, là, tu as ton nombre de préférences et il faut que tu Ouais. aies. Bah attends, je peux prendre la main? Vas-y, vas-y, prends la main. Je vois Alors, pas trop on là. a le nombre de préférences. Et du coup, en fait, ce qu'on veut. C'est un peu balèze comme nom de variable, mais preferences. Bon, je le fais comme ça pour le moment, mais en gros, on aurait. Alors attends, je réfléchis. Je sais jamais comment écrire ça en fait, mais c'est quoi? C'est un size là ou length de number. Bah tiens. Ok. Je sais pas, je me souviens plus de la pièce Toujours exacte. là, j'entends plus rien. Oui, je suis là. Allô? Ah, vous entendez toujours Charlie, vous? Bah, s'ils sont chez toi, ils vont pas entendre, mais s'ils sont chez moi, ils vont entendre. Est-ce que c'est pas moi qui aurais un problème? S'en fout. Là, ça avait tout coupé le son. Tu m'entends? Je l'entendais depuis mon stream. Ouais, j'ai relancé l'appel. Ok. Ouais, je crois que le new RLN, ça marche aussi, ce qu'il disait Morphiche. Le quoi? Après, c'est pas très grave. De faire un new array et tu Non. mets. Non, ça marche pas. Tu pourras pas mapper dessus en fait. Ah oui, c'est où il faut que tu le files dans la foulée, Ouais. c'est ça. Alors Tu le après, files mais avec quelque ce que chose, j'ai mais fait, c'est peut-être pas suffisant non plus. Mais bref, on verra. C'est juste l'idée. OK. Donc attends, l'idée, c'est d'avoir. Ça, ce serait l'index, en fait, qui sera entre Ouais. 0 et max, ce sera Le langage. langage.length. Ah yes, j'ai Tu vois? compris. Et après, tu Yes. return langage. De De index. index. Et donc là, ce qu'il fait, c'est que on a un truc entre 1 et 4, et à chaque fois, on va prendre un truc random entre Tu peux ça te et faire ça. une petite liste pour ouais, mais après En parce que là fait, on a un risque de pas avoir que des trucs uniques en fait. oui. Après, on peut faire ça autrement. On peut faire une itération sur la taille d'un set, en fait.
Comment Tu vois ça? l'idée? En gros, Non. on crée un set. On fait un truc genre. Tiens, on va faire un do while pour le fun. Je crois que c'est size. Size différent de length. Bah, du coup, on peut l'appeler size. Ouais, non, on va, ouais, tiens, on va faire ça. Voilà. Parce que Il nous, n'y ce a qu'on pas de veut, c'est size, hein. vraiment un set. C'est pas size. T'as pas size, t'as values, t'as entries. Bah si, c'est quoi pour la taille d'un set? C'est pas length en tout cas. C'est length. Il y a une propriété en héritage qui est length. Sur le set? Je te jure. Mmh. Je suis sur MDN, là. Ok. Mais pourtant, la dernière fois que je l'avais utilisé, c'était pas ça. Mais ou alors je Bah, me suis. Ah c'est un non! itérable, hein. Non, non, c'est je me suis trompé avec la map. Ok. En tout Ok. cas, là, t'as un lens. Ah, attends, je viens de voir size. Ah, si, t'as Alors, size, ah mais si, il y a bah juste une propriété. ouais. Bon, bref, on va faire size. Ouais, c'est size. Non, t'as raison. Mais par contre, c'est pas une fonction, c'est une propriété. Ok, mais c'est bien size. Ok. Tac. Donc, on récupère Est-ce que j'ai encore l'index. perdu ton son? Et là, on Putain, a. c'est fou ça. On va l'appeler langue et on va dire langage Ouais, j'avais encore perdu. Je sais pas pourquoi. index. Et du coup, si le set, je crois que Ouais, c'est mais c'est moi un qui l'entends plus en as, fait. langue, on fait un continue. Et sinon, on fait 7.add, je crois, de langue. C'est add, tu penses? Ouais, c'est add. Ok, c'est pas mal ça. Donc là, on a notre taille qui est entre 1 et 4. On définit un set parce que c'est vraiment ce qu'on veut. On veut une liste unique. À chaque tour, on prend un truc random entre 0 et machin. On récupère la langue. Si on l'a déjà, on fait un tour de plus. Et sinon, on l'ajoute. Et du coup, ça va s'arrêter tout seul dès qu'on aura la bonne taille. Et tu retournes à entries du coup. 7.entries. En fait, tu peux faire ça. Ouais, mais autant utiliser la méthode, non? Ouais, mais entry, ça te retourne un tableau de Un paires, en tableau. fait. Ah! Je pense. D'accord, oui, t'as raison. T'as entièrement raison. Ok. Voilà. Alors attends, là. Ah, salut Adrien. Bah, ok. À la prochaine. C'est gentil en tout cas d'être passé faire coucou. Voilà. Bah vas-y, essaye ça. Bah, c'est bon. Déjà, si on relance. Voilà, on a CoffeeScript CoffeeScript et et basique. Basic. Vas-y, on Pas mal. attends, j'ai Bah. juste un truc pour le plaisir. T'auras toujours la même chose. Ah, il a fait du cash. Non, il fait pas de cash. Ah Bah, oui, il y a c'est un seed. déterministe, c'est vrai. Mais oui. C'est Ah, exactement ce qu'on veut. sale bête. Bah oui. Bah, c'est Je sais, exactement ce qu'on je veut. sais, je sais, je sais, mais je voulais jouer. Bah, non, tu Il peux pas. gâche le plaisir. Bon, en tout cas, ça marche Comment? bien. Comment ça que tu dois refresh mon stream, Lucus? Qu'entends-tu par là? Ah, il freeze mon stream. Carrément. Bon, bah, pendant que tu frises, je continue alors. Non, mais là, je freeze pas, là. Alors, on set les préférences. Donc là, le truc, c'est qu'on a un profil. Nous, on en veut plusieurs. Yes. Donc, Ok. perso, Essaye celle-ci, de bouger. Coucou. je la mettrai plutôt là. Qu'est-ce qui se passe? Ici aussi, Non, j'ai une c'est image petit pied fixe. vide. Enfin, pas que Ah. j'aborde. Bah, je sais pas Ah, alors. Eh, c'est bizarre moi ça. j'ai qu'à dire que c'est la faute de Amazon. Voilà. Et on en
en créer quoi? On en crée 100? Bah en fait, on va créer random. Non mais random, en vrai, ce sera pas random. Donc autant mettre un nombre fixe là pour le coup. Ok. Bah ben non mais comme ça on est sûr qu'on en aura 100, tu vois. Allez, on dit qu'on en veut 100. Tac, tac, tac. Par contre, du coup, je sais plus comment on fait le trick là, avec le array machin. Parce que du coup, on ferait genre, tu vois, array Ah ouais, from. attends, j'ai activé ce truc-là, Lucus, faut que je le vire en fait. J'ai pas fait exprès. Je sais comment Et est-ce là, que on je l'ai met une désactivé. callback. Et tiens, et la callback, ça va être create random profile. Est-ce que Tiens, je ça l'ai enlevé. marche? Est-ce que ça marche? Bah non, parce que create random profile, Ah il oui, il faut demande appeler sur app. app. Ouais. Normalement c'est bon, Lucus, s'il n'y a plus. Je ne savais pas ce que c'était, j'avais cliqué dessus. Normalement il n'y a plus. Ok, cool. Ah, désolé, j'avais complètement oublié que j'avais fait ça. Oh mon gars, Bim. ça c'est beau ça. Godfrey Adams, c'est beau. Par contre, est-ce qu'on a des Attends, mais c'est. Et références en t'as vu commun? ce langage? Easy De Kev? 5 Plus. Il y a un truc qui s'appelle Non CMS mais Exec. tu sais que notre liste elle est tellement Oh! énorme qu'on va pas avoir un seul en Et il y commun. a un truc pour Lucus là. Milk Programming Language. Je suis sûr, il est prêt à claquer des 1000 et des 100 pour de licence dans ce langage. Milk Programming Language. Ah merde, je suis pas dans le bon truc. Ok. Est-ce qu'on tricherait pas en limitant les langages à une certaine liste? Parce que là, franchement, j'ai Ah oui, l'impression parce que qu'on a trop fait en commun là en la fait. difficulté, oui, voilà, c'est ça, la difficulté qu'on va avoir là, c'est bah, plutôt que de prendre entre 0 et toute la totalité. Ouais, t'en mets 20. Et tu sais, tout à l'heure, tu as dit qu'on s'en foutait du created at, mais en fait, c'est faux. Ah Parce oui, mais attends, ça qu'on dépend en a de besoin. l'algo. Ça dépend de Ben l'algo. oui. Dans un premier temps, on s'en moque. Ok. Ah, on est où là? ACC, Actions, Abscisse. Oh. Mais on a trop des trucs de. Mais Si, si, des si. trucs Là, de. c'est bon, par contre, on a des trucs en commun, donc c'est pas mal. Ah oh ouais, mais voilà les langages, quoi. Ça me fait mal. Bon, là c'est bon, on peut écrire notre fonction maintenant. On a préparé le terrain. On a tout ce qu'il nous faut. Alors attends. Donc là, on arrive à récupérer une liste de users. Et là, maintenant, ce qu'on veut, c'est. Faut qu'on on veut récupérer un Mais en fait, match par rapport à une c'est ça. personne. Donc. En fait, notre fonction, elle doit prendre un ID en entrée. Oui. D'accord? On peut donner le premier ID qui est généré. Tout à fait. Donc déjà, est-ce que create random profile sur app. Ah oui, ça va lire le truc. Donc ça, maintenant ça, on s'en moque. De ce truc-là. De ce test-là. Bah oui, mais il faut quand même qu'on puisse récupérer une liste de users. Parce qu'on veut Ouais, récupérer le mais premier user. ça. Bon, ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer la fonction. Ah, mais il faut pas la créer là, la fonction, du coup. Laisse ça comme ça pour le moment. En fait, là, regarde, en vrai, ce qu'on veut faire, Ouais. ici, enfin, on va le renommer, hein, le test, hein, c'est should. Merde. Match the user. Moi, en fait, ce que je voulais faire, c'est Oh que là, pourquoi c'est... la création, la sortir dans le test, en fait.
C'est ça que je voulais faire. Oui, tu peux le faire, mais du coup, ça implique là de faire un peu de réfacto. Enfin, vas-y, fais-le si tu veux. Fais-le si tu veux. Juste pour pas que ce soit ici, mais bon, attends, on va le laisser là. Donc ça c'est du code qui va nous permettre de lire. Donc déjà nous là, Appelle ta fonction là. non mais déjà la fonction faut qu'on la mette Oui. vraiment dans notre fichier parce qu'on va pas tout coder dans le fichier de test là quand même. Non, 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 non. C'est juste que dans le TDD, en vrai, tu fais ta... Ah, merde. Ah merde. Ah merde. Mets-lui un autre nom au fichier, c'est pas grave. Appelle-le, je sais pas, Cloud Roulette ou quelque chose comme ça. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Je crée la fonction et voilà. Ok. Ouais, et ensuite on crée le fichier en fait. Non, c'est pas ça. Mais si. Mais si, c'est ça. Mais non, c'est pas ça. Quoi? Quoi, c'est pas ça? Ah, si, tu le stockes dans une variable, ok. Ouais, mais tu le fais après normalement. Après que tu aies eu la liste de users, parce que tu vas devoir donner un ID en entrée. Attends, on me dit un truc. T'as la fenêtre de code en double sur ton stream, genre celle où tu tapes en fenêtré par-dessus l'autre avec un petit délai entre les deux. Celle où tu tapes. Ouais. Bah vas-y, fais alors, parce que je vois pas ce que tu veux dire. Bah attends, on va se mettre d'accord. Déjà, l'interface de la fonction, on est d'accord que c'est une fonction qui prend un ID en entrée et ça retourne un autre ID, qui est l'ID de la personne avec laquelle tu es matché. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Oui, j'ai pas entendu le début, mais oui, ça me paraît bien. Ok. Donc, là, si on dit ça te retourne un matched user, et là, tu as une fonction qui s'appelle roulette Ok. et Ouais. tu lui donnes users de. Ah, j'ai fait quoi? Non. De 0. D'accord. Et c'est point UID. Ok. Et là, faut qu'on Ouais. fasse une assertion. Oui. Bonté, Dark Jabberwock. Par contre, roulette, c'est asynchrone. Roulette, c'est asynchrone. Pourquoi c'est asynchrone? Bah parce que ça va lire dans une base de données. Ok, oui, tu as raison. Bon, et là, il nous dit roulette, il n'existe pas. D'ailleurs, on a quoi? Ah, on a du geste pour faire les expect, t'as Oui, dit? oui, oui. On est dans le geste là. Donc du coup Sauf qu'en fait. le expect t'en as pas besoin là. Le wait t'en as pas besoin, pardon. Ouais. Donc, expect Match matched. user Mais alors, c'est to quoi qu'on equal. expecte? Bah en fait tout va dépendre du langage du premier en fait. Ah Bah, si, est-ce bah qu'on voilà, se on dit n'a qu'à pas faire ça. que. Est-ce qu'il n'a pas au moins un langage en commun, en Ouais, fait? c'est ça. Alors, on ferait expect, donc to equal. Dedans, je ferai un expect.objectContaining. Object containing. Voilà. Ok. Donc là, c'est un objet dans lequel tu Avec as préférence. préférence. Va à la ligne parce que là, ça va Ouais. être trop là. Non, non, dans l'objet, va Dans à la ligne. l'objet. Ouais. Ok. Ça fait une boulette. Ouais. Ok. Dans préférence, faut faire un Array. expect Expect. array containing. Ah! Donc là, ça va être plus compliqué. Parce que le truc, c'est que le premier user, on ne sait pas combien il a de langage. Donc en fait, on ne sait pas lequel va matcher en fait. Non, 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 attends, on peut faire beaucoup plus simple. Regarde. On peut faire. Oh là, on fait des trucs trop compliqués là, regarde. Point preferences. Oui, ok. Point somme.
What? Point to be true. Ça Hein? existe ça ou pas? Non mais attends, j'ai pas terminé. Et du coup, ce que tu fais. Attends, on veut vérifier que dans. Bah Il y a c'est... au moins un langage, donc c'est bien somme. Attends, je revérifie somme, comment ça Bah faire. non. Quoi? Ça va Quoi, pas... non? Mais le somme va falloir le faire autant de fois qu'il a de langage, le premier user. C'est une Oui? intersection que tu veux. Ça marchera pas là. Bah, Là, ça va te s'il faire a. un somme pour un langage. Non, c'est un iter. C'est-à-dire que là, t'as Ouais, un sur la, langage. sur, ouais, mais ça itère sur les préférences de match user, pas sur les préférences du premier user. Le premier Oui, mais user, il peut si, parce avoir... que là, regarde, je fais users de Qu'est-ce qu'il fait? 0, point preferences, point includes, langage. Hein? Ok. D'accord. Oui, mais il y a bien double, il y a bien une boucle imbriquée. Ok. Oui. Oui, ok. Roulette is not defined. Ok. Je pense que tu peux enlever le. Ouais, non, tu le déplaceras le code, c'est pas grave. Du coup, le fichier, on va l'appeler roulette.fonction ou roulette.funk. Oula, qu'est-ce que tu fais, le require? Require, ok, point slash roulette, point. On va renommer ça plus tard, hein. C'est vraiment parce que là on a des petits problèmes dans notre setup, on ne peut pas mettre les choses où on a envie. Salut Van Debauche, on utilise NeoVim, voilà, donc dans notre terminal. Et tu peux faire point d'exclamation commands dans le chat pour avoir la liste des Ah, dans commandes. celui de Charlie, il est dans mon chat, donc du coup, Ok. Bah, il faut aura aller pas sur le ça. multi-twitch. Du coup, là, il nous dit que il trouve pas ça. Ok. Ah. Putain, mais quel modérateur de folie, ce Loukous. Je devrais le mettre modo d'ailleurs sur. Comment on l'appelait? Merde, j'arrive plus à pas à me concentrer sur les deux choses à la fois. Et donc là, on fait un export. Ah, j'ai mis default, Non, c'est pas grave. Hein. non, 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 ça non. te stresse. Bah c'est pas ça, c'est que là tu utilises les modules ES6. Ah ouais, pardon. Fais Ah oui, c'est vrai. export.roulette. Export.roulette et je mets une fonction anonyme, ça. Ah, oh, mais. Ou alors tu fais non, tu fais ta fonction roulette et tu fais un Oui. module.export, c'est égal à... Toi, t'es en QWERTY. Mais en fait, c'est le problème, c'est que cette semaine, j'étais vachement en Oula, non, 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 mobilité, non, non, quoi. non, non, fais pas d'objet. Mets directement roulette, vu que si tu veux que ce soit en défaut. Ah non, mais justement, j'ai cru qu'au début tu disais non, mais on peut le mettre Bah, en. vu que tu l'as déjà écrit comme ça, l'import. Détail, quoi. Ok. Par contre, il faut que tu fasses un require sur Firebase-admin et je sais pas si on l'a. Je sais plus si je l'ai Non. ajouté. Attends, il dit un truc là. Il nous dit que required property UID of undefined. Et il est ivre. Parce qu'il n'y a pas de wait ici. Ah oui. Ah, Ok. j'ai complètement du mal avec le switch, ouais. Ok. Déjà, ça nous pourrit un peu. Merde, j'ai fait quoi? Ok. Si, si, c'est ça. Ouais. Ok. Donc là, on n'a pas de match chooser, donc normal. Donc là, on prend un UID. Et là, tu dis qu'il faut qu'on importe Firebase Admin, c'est ça? Ouais. Je vais l'appeler admin, ok. Si tu veux. Oh là, ça lag d'un coup là.
Et là, on ne doit pas l'avoir normalement. Bah, il a pas gueulé là-dessus en tout Ok. cas. Donc a priori on l'a. Ah bon? Bah ouais. Ok. Sinon il aurait pleuré, je pense. Ok. Donc ça veut dire que là, en théorie, je peux faire un return d'un objet, là, et il me dira plus l'erreur, il me dira juste que ça match pas. Bah si, tu auras une erreur quand même. Ah oui, c'est sum of undefined. Bon, si je fais preferences, deux points, un tableau vide, là, il m'embête plus. Ah, et to be true, parce que je pense que c'est to be. Trophée. Mais tu peux faire trou. Ok. Voilà, donc là c'est mine Cool. déjà. Donc là. En théorie, on fait ça. Alors pas juste ça, hein, parce qu'il faut initialiser l'app. Si on prend le nom de JS Organizer dans database, là. C'est ah tiens, je l'avais appelé admin, donc c'est très bien. On va faire un initialize app avec une database URL et des creds. Ça sent que nous, pour le moment, on n'a pas de creds. Enfin, je les ai pas créés, le Tu me compte dis de c'est quoi? Tu service. m'as dit que c'était quoi là qu'il fallait faire? Bah attends, je peux le copier. Ah vas-y, fais-le. T'es où là? Je sais plus ce que j'ai copié. J'ai copié un peu beaucoup. Ça en gros. Ça, sachant que. Ça, on l'aura pas pour le moment. Ça devrait pas nous embêter. Ouais, je pense que tu peux l'enlever la ligne, non? Vais pas l'enlever, je vais la commenter. Et là, database URL. On verra bien ce que ça donne, vu qu'on est en testing. Ok. Cannot use keyword. Ah oui. Donc là, si je rajoute ça, c'est-à-dire que là, on est censé Alors avoir... attends, attends, j'ai fait. Ah oui. Je suis allé un peu trop loin. Donc là, on est encore censé avoir faux. Bah là, je crois qu'il essaie vraiment. Bah ouais. Sur le database URL, là, je pense que c'est la connexion, hein, qui fait chier. Ah, je vais regarder un petit peu. Est-ce que j'ai toujours la doc d'ouvert là de... Firebase admin. Setup guide. Ah oui, c'est qu'en fait... Ah, attends. J'ai un truc là. Ouais, vas-y. C'était credential ou credentials? Je sais plus. On revient en Credential. arrière. Et là, database URL, j'imagine que c'est. Si on T'as regarde oublié dans un la A. firebaseio.com d'ailleurs. T'as oublié un A à Firebase. Ok. Je sais pas, hein, si. Vas-y. Tu tentes des trucs comme ça. Bah, j'ai l'impression qu'il essaie vraiment de se connecter. L'impression qu'il passe pas par l'émulateur. Ah mais oui, c'est ce que je disais. C'est exactement ça. En fait, le truc, c'est que là, le app qu'on utilise, il essaie vraiment de se connecter. Et Est-ce en qu'il faut fait, pas que notre fonction elle prenne un app du coup? c'est exactement ce que je disais, voilà, la semaine dernière. C'est faut qu'en fait, on prenne en paramètre l'appli. Bah vas-y. Et qu'on fasse une injection de dépendance. Donc Ah en oui, gros, tu parlais de l'inversion of control là, c'est ça. etc.
C'est ça. Ok. Donc ce qu'on peut Je vois qu'il y a faire. pas mal de gens qui fluctuent, hein. Si vous venez d'arriver et que vous savez pas trop ce qu'on est en train de faire, faut pas hésiter à nous poser la question. Il y a Et puis Lucus qui bah sait tout. Donc voilà. y a Lucus. Mais Lucus, c'est pas un bot, hein. Non, mais c'est un mec qui joue avec le bot. Alors du coup. En tout cas, Enfin voilà, voilà. si vous venez d'arriver, il ne faut pas hésiter à poser des questions. On répondra avec plaisir. Donc on va dire qu'on le prend en paramètre dans un premier temps. Et Mon donc ordi qui s'envole d'un coup. du coup, tac, 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 tac. Ici, on va donner app aussi. Ah, bah tu vois, déjà, il gueule plus là. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ce qui fait que ce truc-là, là, on peut l'enlever. Vu que maintenant il est là. Mais non, mais non, Mais on si. en a toujours besoin pour donner en entrée. Mais comment ça? Le Ah! UID. Oh, Non, non, chut, remets. chut. C'est chiant ça. Hein. Bon, alors du coup. Ok, je laisse comme ça, mais ça me plaît pas. Laisse comme ça. On c'est pas grave si ça te plaît pas, on change. Et là, si tu triches, tu retournes Ah oui, user. ok, je retourne le premier, c'est ça que. Ouais, D'accord. retourne le premier, normalement ça fonctionnera. Enfin, normalement ça doit passer le test. Oui, bêtement, ça devrait fonctionner. Non, non, c'est un match chooser. T'as pas Ah, besoin de pardon. retourner. Oui, t'as raison. Mais après, t'as raison, on pourrait changer. Ouais, mais non, on va faire match chooser, ouais. Non, non, t'as raison. Ok. Ça marche Ah. pas? Pop, c'est bien le premier, non? Ah non, c'est Unshift. Le mec qui tente des trucs. Non, c'est Shift. Unshift, sa place en premier. C'est Shift. Unshift, ça ajoute un élément au Tac! début. Oui. Donc ça marche. Ah, Parce que c'est le très bien. premier. Donc maintenant. Faut pas que ce soit le même, quoi. Donc là, ce qui va être là, on a juste fait un get. Ce qui serait intéressant, c'est d'utiliser Firestore pour faire les conditions. Donc faut avoir des clauses where. Donc il faut lire la doc. Parce que je ne l'ai jamais fait. Des quoi? Des clauses, ouais? Des clauses where. Ah oui, d'accord. Firebase, enfin Firestore. Where. Bon, après. Where clause. Enfin bref, faut pouvoir. Faut avoir des. Faut faire une query, quoi. Alors. Mince. Ah oui. Je vais faire state différent de. Ok. Ah oui, donc c'est un where et là on a des trucs. Du coup. Bah, par exemple, tu peux faire un where le UID différent de Ah. l'UID. Oui. Mais on n'a pas de test pour Mais ça. oui, voilà. Ah, y a En tout cas. Abgral F qui est là. Moi je le vois pas, il me parle pas, il est vraiment un traître. Quelle violence. Viens jouer avec mon bot, mon gars. Viens jouer avec mon bot. Va bah, jouer avec Lucus. ce qu'on veut, parce que là, en fait, on fait un get pour tout recevoir. Ah oui, non, on passe le user ID, on avait dit, c'est ça. Ouais, là tu fais un where. Sauf que le truc, c'est que vu qu'on a. Ok. Donc là, ce que tu dis, toi, c'est je fais un where là. Ouais. Et je fais. Un where. Merde, Tu qu'est-ce que j'ai mets fait? UID. Enfin, UID. UID. Et là, je Là tu mets fais différent. égal. Bah non, pas égal. Mais en fait, Différent. si, tu sais pourquoi? Parce qu'on va devoir récupérer les langages du premier du user. Bah, du premier là. Ah oui, Parce qu'on t'as passe raison. l'ID. En fait, on n'a pas son langage, en fait. Tu vois? Donc après, il faudra regarder pour les transactions, les trucs comme ça, là. Parce que là, on va faire end requête. Enfin bref. Donc ça, c'est pour récupérer. Donc ça, c'est. Le user. Ouais, l'appeler me. Par contre, du coup, il n'y en aura Bah, qu'un. c'est Alors donc. snapshot.doc. Point doc tout Ah non, court? je crois que non, je crois que t'as doc tout court en entrée.
Et que faire Ah oui, doc.data. t'as raison, mais oui, complètement. Doc.uid et je fais point get. Et ça devrait suffire. Ça, on s'en fout, tu peux l'enlever. Ok. Et Ok, donc ça c'est moi. après, il faut que tu récupères tout le monde sauf moi. Ouais, donc on va l'appeler matches. Et du coup, wait aussi, app, first store, collection users. Et ensuite, on fait un where. Donc comme tu as dit, UID, je crois qu'on peut faire ça pour faire différent. Tu penses que c'est ça différent? Mais je crois que ça Est-ce passe que aussi. j'ai des exemples? On peut faire comme ça ou différent, je crois. Si je regarde la Ouais, mais doc. je trouve pas trop d'exemples dans la doc. Ah, différence, c'est point d'exclamation égal. Ok. UID. Je peux enchaîner les where, je crois. Ah non! Attends, ils disent que H différent de 30. Ah non, il faut faire deux close where. Attends, c'est hyper bizarre ça. Waouh! J'ai l'impression. Je sais pas si Zoomilo il est toujours dans le coin ou pas. Parce que c'est bizarre là, ça Si, dit si, il y a un que. truc différent. Ça a Ah, marché là? in use. Attends. Queries with different clause. In this case, you should split the query into a greater than query and T'as a vu? less. Ah! Bah, c'est pas malin ça. Qu'il y a des array contains, Bon mais ouais, Netflix, il n'y a plus qu'à. Salut. Et merci d'être passé. la bouffe vient d'arriver. Le mec il s'est fait une livraison de bouffe là à 17h30. S'est fait livrer des Kinder ou quoi? Ok. Est-ce que en fait on récupérerait pas pour l'instant toute la liste et on fait notre truc avec du JS Oui, plus propre on peut faire ça, mais histoire bon, d'avancer? c'est très sale, quoi, ça me plaît pas du tout, mais bon. Ouais, mais vu que là on a priori c'est compliqué de faire un différent, on va peut-être regarder off comment faire ça et au pire on l'expliquera plus loin. Sinon, est-ce que tu vois, t'as array contains, en tout cas. Région array contain, c'est là où on peut faire tac un des trucs. Ce qui est chiant, est-ce qu'on peut faire array contains de plusieurs valeurs? Ben oui, mais non, le problème c'est que nous c'est un ou. C'est pas un plusieurs valeurs quoi. Bon, On ok, regardera ça faudra plus tard parce que là regarder, il nous reste mais une là ça vingtaine de me minutes. déprime. Ah. Bah en fait, ce qu'on veut faire, c'est, on veut faire, si je remets le code là, Ouais, on on veut récupérer les on users. voulait écrire ça. Where UID différent de UID en fait. Et apparemment, il n'y a pas d'opérateur pour ça. Sauf si tu sais lequel. Et pareil, là, ce qui me déprime, c'est que j'ai l'impression qu'on ne peut pas faire bosser la base comme on veut, quoi. Et ça me rend très triste. Ah oui, il y a Zumilo qui vient, qui a vu le message, enfin qui a entendu. Dans l'attente d'une réponse. De toute façon, enfin pour moi, ils sont assez clairs, hein, dans les query limitations. Hein. Mais c'est quand même d'une tristesse, quoi. Il n'y a pas de différent ou de note.
Super. Bon. Me demande vraiment ce qu'on peut faire avec ce genre de truc. Hein. Ils parlent de base NoSQL et tout, ils sont bien gentils, mais bon, si on n'est même pas foutu de faire une query, quoi. C'est Bon. pas le lieu pour s'énerver. Non, mais c'est pas grave. On récupère. Bah, tu peux recopier tout ce qu'on avait en dessous, hein. Non, bah je l'ai là. Ah oui, Ok. bah oui, du coup. Tu l'as juste en dessous, en fait. Ah ouais. Ça me déprime, putain, ça me déprime. Ça y est. Bon, non, mais là, c'est. Franchement, quoi. D'accord. Par contre, je comprends pas c'est quoi le rapport avec la scalabilité. Donc là, tu peux récupérer, tu peux faire un filtre pour ne plus avoir mis dedans. Ouais. Ah, sois pas déçu à ce point-là. On va Ben, si, réfléchir si. après. Différentes. Oh yes. Ok, donc là, on a tous les potentiels matches. Alors. Puis tu veux bah, le premier qui a des préférences qui matchent. Non, justement, je prends. Je. Tous ceux où il y a des Ouais, après, préférences on qui fera un matchent. random. Enfin, on verra, quoi. Du coup, là, ce serait users. Si tu fais un random, c'est pas déterministe, hein. C'est vrai. Mais en fait, c'est qu'il manque une. En fait, il C'est manque vrai. plusieurs propriétés là dans notre objet. Fais le find. C'est ce que je suis C'est en train juste de que faire. pour l'instant, on n'a pas assez Ah de ouais. d'éléments. User. Bah, t'as le code en bas, hein. Ouais, je sais. Somme. Ouais. Et là, En fait, par ce qui contre, va ce nous serait. manquer, bah, c'est le mi. Ouais. Ce qui va nous manquer, c'est plusieurs choses. Il nous manque le created at pour trier par ordre de création pour que les nouveaux utilisateurs soient privilégiés. Et ce qui nous manque, c'est un statut déjà un match en cours en fait. Ouais. Attends, pourquoi il y a pas un await qui a été oublié quelque part là? Non. Au-dessus non plus? Non. Pourquoi il dit C'est le In get là, je close. pense. Attends, country. Parce qu'il faut faire un doc.data quand même sur le mi, non? Je crois que t'as doc là. Vas-y. Yes. Ok. Du coup, Du coup, là, on prend le premier qui match. en fonction des préférences. Maintenant, il faudrait faire un test pour dire qu'on prend que ceux qui ont. Qui sont pas busy, quoi. Ouais, c'est ça. On l'appelle comment le statut? Pour l'instant, ça peut être juste un flag, un booléen. Ouais, donc vas-y, rajoute-le dans le crat random profile. Ici, comment on l'appellerait? Already matched ou currently match, matched, je sais pas, ou matched tout simplement. Non, ça te plaît pas. Ok. Du coup, Ça doit être c'est random boolean. Ouais, c'est ça, c'est random boolean. Ok. Et du coup, ce qu'on veut vérifier, c'est on rajoute un test là, où on dit que... Merde. Tu vas voir que ça va pas péter parce que
Should match un. Oh non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je sais pas. Should match un. Available user. Et là, on dit que lui. Point E. Available. Ça doit être true. Avec un peu de chance, ça va être faux. Yes. Morphiche, pourquoi faire deux requêtes si tu récupères plutôt. Attends, j'ai pas compris. Pourquoi faire deux requêtes si tu récupères tous les users plutôt qu'une seule et en extraire ton user? C'est pas faux. Bah, ce sera pour une prochaine itération, c'est tout. On itère, on itère. Ouais, on va faire ça. Après, d'abord, on va d'abord se concentrer dans un premier temps Bah, sur sur le filter, l'algo. là, prends les available, là. Qu'est-ce... Mets pas ça dans le find, vieux fou. Alors, je fais un et là, c'est ça que Ouais, tu veux? ouais. User. User.available. Ok, cool. Tac. Ensuite, bah là c'est là où ça aurait été pas mal d'avoir le created. Attends, est-ce qu'on n'essayerait pas ce que Morphish nous avait dit tout à l'heure? Si, si, vas-y. Donc c'était quoi? C'était Firebase point timestamp point from date, je crois. Je le retrouve. From date et new date, je crois. Je crois que c'est ça qu'il nous a dit. Firebase.firestore.timestamp.fromDate. Cool, from date. From date, il n'est pas d'accord. Attends, c'est Firebase.firestore peut-être? Ouais. Ok. Yes. Donc, Par là, ce contre, qu'on le new pourrait date faire. met une date, met la date du jour. Bah, c'est ce que ça fait NewDate par défaut. Bah oui, mais ça va changer tous les jours. Mais une date en dur. Ah, ok. Mais 2019 tiré 10 tiré 06. Ça marche comme ça? Dans une chaîne, vieux fou. Ah ouais, attends. Je suis un peu. Ivre. Allez, on peut return deux valeurs avec le. Ça retourne pas deux valeurs en fait, ça va retourner un booléen. Oh, j'ai Et fait du coup, quoi? dans filter, en fait, si c'est vrai, bah tu vas les récupérer dans ta collection, et si c'est faux, elles seront pas dans ta collection. On retourne, c'est vraiment un booléen qui est retourné, c'est une condition. Ah oui, là, Donc c'est là, la parce que c'était le condition, filter. c'est. Oui, il y a Morphiche qui a répondu. Ok. Sinon, Franck, ouais, on pourra faire un CRUD Firebase. Je crois qu'il a déjà ça en plus, Zoomilo, sur Conference Hall. Ouais, il en a Donc un. on pourrait le récupérer. En fait, on fera le refacto à part. Ouais. Oula! Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je sais pas. Unknown, la meilleure erreur. Ok, ça passe maintenant. Je pense que c'était Ah parce que non, j'avais mais pas rechargé les oui. tests. Parce que comme tu es en watch, en fait, il y a un moment, tu as dû enregistrer avec une valeur qui était. Enfin, avec du code qui était pas bon, et du coup, il a pas refait Carrément. le truc derrière. Ça arrive des fois. Carrément, carrément. Alors, du coup, ce qu'on veut faire, c'est que là, on veut faire un sort. Bah, écris ton test avant, là. Qu'est-ce que tu es en train de faire, Moret? Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Ouais, mais je sais pas trop comment je vais l'écrire, tiens, celui-là. Ben justement. Par contre, attends, j'en ai marre de voir tout le temps le même code là. Peut-être un peu refacto. Vas-y, bon, on a plus beaucoup de temps. Il nous Ouais, reste 10 mais minutes. je pense qu'il y a des trucs.
Vas-y. Tu vois, rien que Bah, tu ça, en fais. fait. Ici. Ouais, mais il faut que tu mettes app plus haut Et du coup. encore, users. Non, users, il faut faire une fonction à part. Ouais. Bah, fais une fonction, hein. Tu prends app. Ok. Et ça, c'est Functino. Moi, j'aime bien écrire Functino. Ok. Bon, et t'as pas besoin du wait du coup. C'est très Je vais vrai. faire juste un return là. Ok. Par contre, Ouais, juste là. ah, par contre, le app, oui. Là, ouais. Ouais, on s'en fout. C'est get. Alors, attends. Wait. Enfin, const user wait. T'as raison. Get always et get app. Ok. Et puis bah tu peux coller ça en dessous Mais aussi. justement, get app. Est-ce que je pouvais le faire à l'intérieur, le get app, comme ça, je n'étais pas emmerdé. C'est vrai. Parce que là, C'est vrai, tout à pas envie fait. de l'écrire à chaque fois, quoi. Alors on enlève le du paramètre du coup. C'est vrai. Ok. Alors, attends. Get all user, tac. Tac. Ok, cool. Et là, l'autre test, c'est. Bon, finalement, on aura été présomptueux hein, sur le programme. Ben oui, mais à chaque fois c'est pareil. Je dis 2 heures, c'est trop court. Du coup, qu'est-ce qu'on a dit? Match. Bon, après, on a réussi à faire quelque chose, quoi. Bah là, on veut que ça matche un utilisateur, ouais, le dernier utilisateur qui répond aux critères, en fait. Bah, en fait, c'est simple. On récupère la liste des utilisateurs qui répond aux critères, Et après, on trie nous-mêmes de par ce la côté-là. date. On trie par date et on s'assure que le premier qu'on a trié, nous, ça correspond à l'utilisateur qui nous a été retourné. On peut Mais faire tu, ça. en fait, tu vois, le truc qui m'embête, C'est qu'on teste l'implème en fait en faisant bah ça. oui, c'est qu'on écrit l'implème à cause du truc, parce qu'en fait, Oui, parce qu'on connaît on pas n'a les pas données. écrit, parce que, bah, parce qu'on n'a pas écrit le jeu de données, ouais. Mais c'est une bêtise. Bah après, il est UID of déterminé. undefined. Oui, mais on le connaît. Il est déterministe, ok, mais on le connaît pas, on le découvre en fait. Donc c'est un Oui, peu. mais à la limite, c'est pas très grave. On peut faire ça, regarder quel est l'utilisateur qui est ressorti, et ensuite on le met en dur, on fait évoluer le test. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais pourquoi là il gueule? Get up, c'est pourtant ça. C'est à quel endroit? Users de 0. T'as pas oublié un await devant? Bah non, Devant get justement. all users? Bah non. Ok. Bah non. C'est dans quel test? C'est dans le premier Bah dès le premier en match? fait, parce que c'est partout pareil, donc Ah, tableau vide. est-ce que c'est pas cause de ça le create random profile Est-ce là? qu'il faut pas mettre un await devant ça? Bah si, il faut mettre un await, je pense. Non, mets un await devant le create random profile. Bah non, ça fait un array from avec ça dedans. Oh Oui. putain, faudrait faire un promise all là-dessus. D'ailleurs, c'est marrant qu'avant ça fonctionnait. Bah oui, c'est ça que je comprends pas en fait. Ouais, là, je pense que c'était à recharger un peu après. Non, c'est pas ça. Ah Ah, si! si, regarde. Tiens, c'était ça. Ouais, mais attends, qu'est-ce qui se passe là?
Ah, parce que hein, on fait un before each à chaque fois on fait ça. Attends, on va peut-être le Ouais. faire dans le before all parce que là ça commence à faire il commence à en avoir plein la gueule le truc. Bah, et c'est surtout que ça va nous faire plein de requêtes et on va payer. Ah, bah non, on est sur l'émulateur, je suis con. Mais oui. Oublie l'idiotie que je viens de dire. Pourquoi il nous a dit ça? Hop, App is not defined. j'ai encore Ah du bah oui. code quelque part là. Ah. Bah c'est dans roulette parce qu'on a besoin de app. Bah Du navigate coup, app, est-ce qu'on hein. ferait pas un truc du genre Ouais, mais on va écrire. Ouais, ok. Pour l'instant, mets-le. Oui, ou tu peux le. T'as raison, t'as raison. Non, mais t'avais raison en fait. Fais comme tu veux. Oh, c'est pas grave, maintenant que c'est fait. Ok, du coup là ce qu'on fait c'est qu'on écrit le petit test là pour récupérer sur les users le user qui nous intéresse et après on le collera en dur. C'est anormalement lent. Ah bah tiens, il nous a refait Hein. Ouais, là, le il y truc du a. timeout. Comme s'il n'avait pas le. Bah merde alors. Et j'ai mis un only, il est ivre ou quoi? Ah non, il les a bien skippés. Il tourne toujours notre émulateur là? Le truc, c'est qu'on fait. Ah, on fait un ini. Oui, mais c'est normal, on met des apps différentes à chaque fois. Et on n'a pas le after all en plus qui clear. Eh oh, sauvage là. Si, regarde. Ah non, je fais pas Non, le. non, bah Bah, non. tu l'as supprimé, je l'avais mis normalement. Bon, comment ça, j'ai supprimé? Je te jure que je l'avais mis. Ouais, là-dedans. Là, il est là, before each. Bah oui, c'est parce que t'as supprimé le Non, before non, each, non, du coup. non, 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 c'est pas la même Ah, chose. qui kill les. D'accord. Après, le before each, il était bien aussi, hein. Pourquoi? Ah non, parce que du coup, là, on Ben le non, fait il faisait une un fois. Ok. clear. Le truc, c'est qu'on veut pas le faire à chaque fois. Truc là, c'est qu'on crée des apps à chaque. On peut créer des apps à chaque test, mais en fait, ce qui m'embête, c'est que lors d'un test. Bon, écoute, on va l'oublier, ça. Non, on va quand même le laisser, c'est pas grave. Ok. Ouais, non, il va planter aussi. On va finir à chaque fois avec des trucs qui plantent. Pourquoi t'avais besoin là de le mettre? Parce que Ah oui, pour enlever j'ai le get, l'impression ok. que. Ouais, c'est notre gimmick, le cliffhanger du truc qui marche pas quand on termine le stream. Ah, ce qui est con, c'est que ça marchait il y a 5 minutes, quoi. Bon, ça m'énerve. Mais Putain, bah c'est après, il est dingue 18h, on va ça. peut-être. On va peut-être s'arrêter là et puis du coup prendre le temps de se poser là pour voir pourquoi ça chicane comme ça. T'es d'accord ou pas? Non, moi je veux corriger. Toi, tu veux corriger? Ok.
Peu importe si on dépasse. Bah, il n'y a pas de loi. Bah, je comprends pas. Alors, On fait un get all users. qu'est-ce qu'il nous dit? Tu sais, là, on a Déjà. rajouté le hash en combat là, sur la création des utilisateurs. Ouais, alors déjà, on va regarder ce qu'il a ici. C'est peut-être ça, hein? Non, mais ouais. Ah, si on les Voilà, a. là, on a bien eu la création qui s'est faite. Ok, donc c'est Et en ce fait, c'est serait sur le ici. get là que c'est trop lent comme ça. Ce serait sur roulette en fait le C'est quoi problème. Nation Wars? Hein? Tiens, c'est marrant. C'est sur roulette. Ah non, il l'a trouvé. Mais async callback was not invoked. Ah non, il l'a bien trouvé pourtant. Toujours là, Charlie, ou j'ai encore ton son qu'à couper? Oui, je suis là. Voilà, j'ai l'impression. On l'a bien. Ouais, j'avais ton son qui avait coupé, je crois. Pourtant, on l'a, hein. Il y a un truc bizarre là. On l'a. Tu sais, c'est en bas, là, tout à l'heure, on a mis un await à la création là. Voilà, sur le promiseau, la decreate random profile. Avant, ça fonctionnait sans qu'on ait besoin de faire ça. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, enfin, moi, Ouais, ça bah m'étonne. voilà. Non, mais voilà, c'est bon. Bon, à mon avis, c'était un problème de app. Enfin, bref. En tout cas, ça fonctionne. On a Bon, on fait le bien. dernier test qu'on avait commencé à faire et Ouais. puis après on s'arrêtera là. Tu me diras déjà, ce sera pas mal. Faut que t'enlèves le only. C'est vrai. Oui, tiens, on va voir si ça marche. T'as copié-collé, mais en fait c'est le Ouais, je test sais. juste qu'on n'avait pas fait. Ah bon? Oui, Bah oui. non. On l'a Non, on l'a pas fait. Ah. Ok. Et c'est pas latest available user, c'est latest. Signed user en fait. Oui. Bah c'est pour que ce soit plus clair quoi. Hein? Pourquoi matching? Bah parce que faut qu'il soit available et faut que les langages matchent. C'est pas juste le dernier et le plus récent en fait. Non, mais ah. Ouais, mais il n'y a pas la notion de d'inscription là dans ton message en fait, c'est ça qui m'embête. Bah tu On a veux, dit qu'on. j'écris quoi alors? Ah, mais pourquoi t'enlèves tout? Parce que je vais tout écrire, dis. Bah, en fait, on doit matcher le dernier utilisateur inscrit qui respecte les critères précédents, quoi. Ah, c'est championnat du monde de StarCraft 2. Ok. Je connaissais pas. Matching criterias. Ouais, c'est bien. Et donc là, il faut qu'on Compliqué comme nom. récupère. De quoi? Ouais, mais c'est Compliqué. pas grave. Bon. Bah là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va. En fait, on va refaire la go pour trouver la personne qui correspond, en fait. Bah oui, c'est ça qui m'embête. Mais c'est pas grave, Et de une fois façon, et qu'on le a. truc, c'est que le created at, et bah déjà, faudrait peut-être mettre un truc random, tu vois. Une date random. Ah oui, t'as raison. Je vais chercher. C'est faker random date, je pense. Ouais, il y a un truc date normalement. Date. Et date, tu peux dire between en mettant un from to. Ok.
Bah, c'est simple. Le premier stream, c'était quelle date? C'était il y a 3 semaines. C'est pas une date, ça. Attends, je l'ai dans mon agenda, normalement. C'était en septembre, C'était le 22. 22 C'était septembre. le 22 septembre. Et là, aujourd'hui, on est en octobre, on est le 6, je crois. Ouais, c'est ça. Ah, tu vois, on a un objet timestamp. Ok. Bah, du Et du coup, coup. comment à partir de cet objet timestamp on... Ah bah, de toute façon, on peut Bah, faire on une garde que comparaison en created fait. at, c'est to equal. Et on fait new date, date d'aujourd'hui. Voilà. Je sais pas si on peut faire ça vu que c'est un truc timestamp là. Ouais, Ou mais alors faudrait faire imagine. un from date. Attends, regarde. On fait un const today. Enfin, c'est pas today, c'est. Bon, on l'appelle date. Et du coup, c'était quoi fire... Attends. C'était C'est firebase.firestore firebase.firestore.timestamp. timestamp point from date. Sont pas de vrais timestamps, je sais pas quoi, je sais pas ce qu'il a écrit après. Les timestamps du Firestore sont pas des vrais timestamps IRC, ça veut dire quoi IRC? Bah, c'est un client IRC, IRC, donc Ah. je sais pas ce qu'il raconte, mais à moins que ça veuille dire Comment autre ça? chose, mais if If I I recall, recall. correctly, eh ben Ah. dis donc. D'accord. Je suis pas Et un fan des Loopus, il acronymes, l'avait moi. aussi. Non, mais il y en a qui sont assez courants. Ouais, désolé, on connaisse pas C'est un nom de l'acronyme client Arkish. IRC aussi, donc c'est très embêtant de dire des choses comme ça. Oh. Alors, Conatry Property Firestore, Les faux jeunes Fusion des des Internets. Canotrid. Ah oui, parce que c'est APP, c'est pas Firebase. Non? C'est APP, Bah pardon. non, là c'est dans Get All Users là qu'il y a un problème. Connected Property Firestore of Undefined. Attends, je regarde en bas comment on a fait dans le. Ah oui, mais du coup, attends, parce que maintenant, en fait, là, tu as fait une date between, mais. Ah oui. Vas-y. Oh là là. Et c'est timestamp comme ça. Point from date. Mais attends, ça retourne quoi ça, ce truc-là? Ça retourne un objet date, ça retourne quoi? Ça retourne une chaîne. C'est une isostring que ça retourne. Du coup, je ferai un new date Qu'est-ce que j'ai par-dessus. fait là du coup? Il veut toujours pas faire store of undefined. Il le fait où ça? Il le fait dans get. Ah, mais parce que. Qu'est-ce que tu fais? App, il dit qu'il est undefined là sur le get all users. T'es toujours là ou j'ai encore perdu ton son? Mais je suis là. J'ai encore Hein, perdu ton. Charlie? Ou. Ah, j'avais encore perdu ton son. Ouais, t'es bizarre, toi. Comment ça, t'es bizarre? Bah, c'est pas ma faute si ça déconnecte en fait. C'est En fait, toi qui j'ai un. déconnecte. Moi, ça Mais marche non, mais très j'ai bien. l'impression. Oui, mais j'ai l'impression que c'est mon truc de son qui déconne. Pourquoi ça nous dit ça? Ça nous disait pas ça il y a Bah, 2-3 minutes là? attends. Parce que déjà là, ce que tu vas faire, je suis pas sûr que from date, s'il veut un objet date, pardon, ça fonctionnera pas ça. Parce que ça Pourquoi? retourne pas un objet date. Ça retourne pas un objet date? Non. Ah, faut que tu mettes un new date autour. Ouais, mais là, Si, si, bah là, ça me vas-y. fait du mal de lire ça. Ok. Bah, appelle le created at, ouais. Ouais.
Ou alors. Bon, bref. Ok. Je sais pas si ça va changer quelque chose, hein, mais. Non, non, parce que c'est pas là que ça pète en fait. Ok, très Mais tu bien. vois, dans Get All Users, il est en bas. Il veut app. Ah, mais attends. Qu'est-ce que je fais? Ouais, il faut que tu enlèves le app là. Copier-coller un mauvais Ah oui. test. Ah ok, d'accord. Ah. Ok. Ah si. Ah si. Ouais, mais si tu mets une autre date, par exemple, là. Ouais, mais du coup, tu vois, c'est ça. C'est qu'on n'a pas eu de chance. Le premier qui match, c'est. Par exemple, faisons péter le test en changeant notre implème. Bah du coup En triant par ordre, dans l'autre ordre, tu vois. OK. Non, pas là, avant. Comment ça? Ah non, si, t'as raison, Bah excuse-moi. Ouais, oui, t'as c'est. raison. Oh, oui, vas-y, vas-y. Created at. Je fais quoi? Ça va être des timestamps? Est-ce que je fais Ouais, c'est moins. des timestamps, t'as un nanoseconde dedans. C'est un objet, hein. Regarde, Ah. tu l'as à droite. Il y a secondes, hein. Ah, il y a un to date sur le created at. Ok. Après, je pense là, on peut faire. Oh, les secondes, c'est très bien. Je crois que ça va être trié dans quel ordre là? Pense qu'il va falloir que tu inverses les deux. Waouh, pourquoi c'est hyper long? Oh. Ouais, C'est pas ce qu'on nous sort. Eh, mais sort, il retourne rien. comment ça? Bah sort, ça retourne rien. Bah Sort, évidemment que c'est une si. opération mutable. Mais t'es fou toi. Bien sûr que non. Sort, tu Ah si, retournes ça 1 renvoie le moins tableau, 1 ok. ou bah oui. Ah non, ok, autant pour moi. Oui, parce que dans leur exemple, c'est pas évident, parce que dans leur exemple, ils font array moins 1 point sort et ensuite ils font un console log, pas de ce qui a été retourné. Donc en Après, fait, de base, c'est un je sais effet de bord en pas fait. trop ce qui s'est passé. Bah, je pense que là, le sorti, ça fait que c'est long, non? Et pas bien. Bah. Pas je fais ça, mais Ouais, je je vais pense que l'avoir. c'est juste. Je ferais plus un only aussi déjà. Ah, Il il y avait une a. autre erreur Ouais, il là. a gueulé. Sort is not a function. Parce que find, en fait, ça te renvoie pas Ah, le mais tableau. oui! Donc c'est bien avant qu'il faut le Ben faire. oui! Quel est le con qui a fait ça? C'est toi qui m'as dit que j'étais fou tout à l'heure. Non, mais j'ai pas compris ce que tu disais en fait. Ok. Ah. Ok, alors Bah, du coup, attends. tu peux enlever ton log là. Ouais. Oui. J'ai pas du tout compris ce que tu disais. Tu peux faire un toDate sur le created app. Ok. Voilà. Non, on a un test qui pète. Ok, donc Test du coup, qui si tu pète. inverses les Test qui deux, pète. c'est bon. Ouais. Si tu mets B-A. Et je pense que là, on sera déjà pas mal sur les critères qu'on s'était fixés, Boum! non? Ouais, Tu c'est peux pas enlever mal. le only. Ok, donc on a dépassé un peu le temps, mais on a réussi à finir notre algo au moins. Bah, on avait déjà un truc qui fonctionnait en fait, c'est ce qu'on a écrit le dernier test. Mais. Voilà. Et attends, pourquoi on a.
Il y a un console lock qui traîne quelque part, là. Ouais. Ouais, C'est pas ici. celui-là, ouais, c'est sûr. Ok, cool. Et ben, du coup, la prochaine fois, on peut faire l'interface. L'interface du match, quoi. Là, c'est pas mal. Donc, si on résume, bon, je suis pas entièrement Après, il faut mettre satisfait. ça dans une cloud function, non? Oui, mais une Ça, on cloud l'a pas fait. function, c'est juste un wrapper Faudra qu'on fasse ça d'abord la sur une prochaine fois. fonction, c'est pas. Ah, j'ai encore perdu ton son. Oui, t'as encore perdu mon Oh, c'est son. fou ça. En gros, si on résume, là, on a une fonction qui. Attends, je t'entendais pas. On a une fonction qui parcourt une liste d'utilisateurs et qui va prendre des préférences qui matchent. Enfin, des langages qui matchent. Faut que le user il soit dispo et que, en gros, on prend dans les, on prend toujours les plus récents, quoi. Ouais, c'est ça. Ben voilà, ça me va bien. C'est pas mal, ouais. C'est Donc du pas coup, ce trop que je mal disais, c'est après. que la prochaine fois, il faut qu'on mette ça dans une cloud function pour que ce soit accessible. Et après, bon, on peut faire l'interface. Ouais. Ok. Après, Bah du est-ce que coup, le mi on le ouais. laisse comme ça ou est-ce que on fait le filtre nous-mêmes? Tu vois, Bah, ça je pense que m'embête un Morphiche, il a peu. raison. Hein. Ça sert à rien qu'on fasse deux requêtes à chaque fois. Ça va nous bouffer nos quotas. Autant récupérer toute la liste des users et. Ouais, tu parles de quota, mais Bah, quand même, hein. Franchement, bah, saison 1000 ans, il essaye d'y faire attention parce que dès que tu Mais commences à si. avoir un peu d'utilisateurs, Ouais, mais ça bouge, hein. justement, il n'y en a pas là. Non, pour l'instant, il n'y en a pas, mais. Donc en gros, Ok, si je fais mais ça, ça revient c'est au même. bon. Et t'as une requête en moins, ouais. Après, c'est qu'on met plus de traitement de notre côté. Et c'est bien le but d'avoir une base de données, c'est qu'elle travaille, quoi. Et là, on la fait pas du tout travailler, ça me déprime. On pourra en discuter en off pour peut-être Ouais. trouver quelque chose qui convient mieux. Mais bon, là, voilà, ça fonctionne. Ok, cool. Bon, bah du coup, on va s'arrêter là. À chaud, ceux qui sont encore là, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez des pistes d'amélioration à nous donner? Il a mis Un un petit cœur, donc cœur. je pense qu'il kiffe. Ok, cool. Il n'y a plus que Loukous qui est là. Tout le monde a fui. Promis, la Et prochaine fois, on fait de l'interface. du coup, est-ce que Cool. quelle est la partie que vous préférez et que vous détestez dans le format qu'on présente là? En gros, est-ce que le fait d'écrire que du code, ça va ou est-ce que lui, ça manque? Bah, de toute façon, ça va changer, hein. La prochaine fois, on fera un peu plus du i. Partie préférée, c'est ta voix. Ok. Là, de toute façon, il fallait bien qu'on fasse à un moment ou à un autre en fait cette partie un petit peu logique métier quoi de notre application Ah quoi. si, question plus importante, est-ce que c'était facile à suivre ou pas du tout? Ouais, c'est vrai ça. Pas sûr de ah, Plus t'es d'interaction avec plus le chat, ouais. ok c'est-à-dire c'est-à-dire qu'est-ce que tu t'attendrais à comme type d'interaction au Samushi? Ouais, on a vu Morphiche que tu connais un peu Firebase. Mais ouais, bon en tout cas ouais, la prochaine fois ce sera peut-être un peu plus graphique, du coup ce sera peut-être un peu plus ludique. Peut-être des questions au chat.
plutôt qu'entre vous de temps en temps. Ah oui. C'est-à-dire sur la manière de faire les choses, c'est ça? Ok, d'accord. Ok. Après, pour faire ça veut dire qu'il faut qu'on explique peut-être un peu plus en amont qu'est-ce qu'on veut faire en fait. Parce que bah, là, les règles métiers, c'est pas trop vous qui allez pouvoir les inventer dans le sens où nous, on a réfléchi là-dessus avant. Non, mais c'est une bonne remarque, hein. C'est une bonne remarque. Faut qu'on voit peut-être comment rendre le stream un peu plus interactif. Ok. Bah merci en tout cas pour les remarques. Puis bah du coup on va s'arrêter là. Et puis bah on vous tiendra au courant de la prochaine session. Est-ce que je... Ah non, t'es encore là. J'ai cru que j'avais reperdu ton son. Non, non, je suis là. Attends, sans les métiers. Yes. Si t'as le doute sur une implémentation, tu peux demander avis du public. C'est vrai. Si, du coup, normalement, on risque de. Je devais le faire pour le Bonsoir et stream 2, mais Loukous. j'ai pas eu le temps de le faire. On devrait sortir un article sur le blog de Père Roulette, justement, qui résume. Bah, ce qu'on a fait dernièrement et comment on protège nos données et comment on les teste dans Firestore. Donc normalement il y a un article qui devrait sortir là-dessus. Donc il y aura une PR qui sera faite. Donc si vous avez envie de review, bah, vous pourrez la review. Carrément. Donc n'hésitez pas à watch le repo. Le repo. D'ailleurs, normalement, si je fais ça. Tac. Et le Yes. repo. C'est vraiment dommage que ce soit pas un lien. Je me demande si t'enlèves l'emoji, ça se trouve, ce sera considéré comme un lien. Ah, c'est parce qu'il n'y a pas d'espace, tu crois? Bah peut-être. C'est possible, hein. Ouais, c'est vrai. Bah ouais, j'en ai déjà vu moi dans les trucs Nightbot des liens, donc ça doit être juste ça en fait. Ça doit être juste Je ça. Donc c'est quoi? C'est pense, hein. nightbot.tv. Login. Login avec Twitch. Oui, j'autorise, allez. Tac, tac, tac. On va être vite fixé. Commande. Custom. Ah ouais, j'avoue, là, il y a un lien dedans quand tu demandes les... Ouais, je sais. Ouais, je pense qu'ils ont raison, ça doit être juste l'espace qui manque. Ok, allez-y, faites repo. Bon, attends, je vais le faire sinon. C'est Ah voilà, ça. c'est Bah, bon, c'est juste cool. moi qui suis un gros naze. Ah, qu'est-ce qu'il dit? D'ailleurs, Ouais, mettre des infos sur ce que vous faites dans le je suis d'accord avec toi, PGE. Morphiche. Moi, j'ai essayé d'en mettre un petit peu, mais il faudrait peut-être que je les mette à jour à chaque fois, histoire que ce soit un peu plus clair. Ah oui, sur la page. Ok, bah tu pourras aller regarder sur le mien. Normalement, il y a vaguement des infos, mais il faudrait peut-être mettre un vrai résumé du projet dedans, je pense, avec un lien vers l'article qui Après, présente le projet. ouais, moi j'ai essayé de le faire sur les Toujours là, je fais un events. lien. Oui, je suis là. Moi j'ai essayé de le faire sur les events, mais je sais pas comment ça apparaît en fait. Et je l'ai peut-être pas fait pour ce. Je crois que je l'ai pas fait pour celui-là. Ok, bon bah on va s'arrêter là, je pense. Bah merci à tous en tout cas d'avoir suivi le stream. Et puis bah du coup à la prochaine. Ciao. Salut! Salut.